Salut les petits amis, salut, salut, du 21e siècle. Écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de War, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pots de Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule. Collectionneur d'Ewok, remonteur de pendule, on l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur. Mais son vrai nom c'est Marc, le poulet du gamer. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux balles bitales. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie. Level 1, souviens-toi, c'était bien, c'était lui, le pionnier des programmes pour players affranchis, mais non, mais ça qui réinventait Doom au fond d'un corridor, oh, mais non, mais là, avec une tête de clown et les moyens du bord de ta vieille Super NES au dernier Mario Kart. Il a fait tous les tests, essuyé tous les plâtres, il a tout chroniqué, des hits et des records. Et après tant d'années, on en demande encore. Avec Marcus, Marcus, the first and last of us, lui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. Le Marcus, Marcus, the first and last of us, notre ami pour la vie, comme dans Toy Story. L'Atari et au-delà. Il danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. Yeah. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie et le mien aussi. Marcus, Marcus, the first and last of us, 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 Marcus, Marcus. Ah bon, c'est fini. Salut les petits amis, bienvenue à la maison. Cette fois ça marche, parce que tu gourais l'écran, mais regardez, ça marche. Incroyable. Bonjour tout le monde, salut petits amis, merci Ren619 pour l'abonnement, je viens de le voir. Gentil de s'abonner, parce que Marcus, il rule pas sur l'or. La petite vanne de Zelda qui va bien, c'est pas vrai. Alors, je roule pas sur l'or non plus, mais c'est pareil, vous êtes obligés de vous abonner, bien sûr. C'était pour la blague. Voilà, on s'abonne, on aura une petite blague. C'est comme ça, man. On va faire comme ça. Des blagues normales, hein, pas des blagues genre, alors c'est deux putes qui... Enfin voilà, on va essayer de faire des efforts. Oh, attendez, j'ai décroché le casque. Ça fait que ça fait beaucoup de bruit ici, d'un coup. Mais tout va bien, bienvenue Ina, bienvenue Sigourney Weather, bienvenue ma petite Jade. Mon Vlacero est avec nous ce soir, il va veiller sur nous. Figurez-vous qu'on va compter le nombre de morts. J'ai décidé au dernier moment. Et vu que je suis pas très très doué, ça devrait aller. Salut Seb A2, Sacha, ça y est. Enfin compris ce pseudo. C'est Seb, Adeline et Sacha, la petite famille, qui est venue me voir il n'y a pas très longtemps encore. Et qu'on voit souvent sur les salons. Mais ça y est, enfin. Enfin, je dis, mais j'avais oublié ce que ça voulait dire ton pseudo. Que du coup, vous êtes trois derrière l'écran au lieu de un. Donc ça, c'est plutôt cool. Bah, bienvenue les petits amis. Salut Staren. Ah, génial, il y a des gens que je ne connaissais pas, donc c'est très très bien. Salut Reg Brown. Salut Alain 71200. Est-ce que c'est un code postal? Premier qui me trouve le code postal 71200, ce que c'est, je lui offre. J'allais dire un croque-monsieur. Non, un porte-clé, n'importe quoi. Mais parce qu'on dirait un croque-monsieur en plus. Je sais pas pourquoi. Alors, 71200, c'est quoi comme code postal? Est-ce que ça existe?
Est-ce que ça existe? C'est une ville en plus. Salut Fritz K8. Eh oui, on fait des jeux intelligents. C'est le Creusot. C'est le Creusot. Oh bah voilà. Eh bien, c'est Club des Ratés qui a dégainé le premier. Donc Club des Ratés, je vais t'envoyer un petit porte-clés Game One qui sera d'ailleurs la récompense pour ceux qui réussiront à pronostiquer le bon nombre de morts ce soir. Donc ça vaut le coup. Ah oh, mon petit André qui souscrit pour 28 mois. Oh la vache. Que 28 mois, mais j'ai l'impression que t'as toujours été là, toujours abonné. Oh, un anniversaire pour Gidon. Incroyable, 12 mois. Merci les amis, merci pour les abonnements. C'était une blague, hein, il roule pas sur l'or. C'était juste pour le plaisir de la vanne, hein, finalement. Faste musique d'Indiana Jones. J'ai hâte de voir le film. J'ai vu. Merci Orexis pour l'abonnement. J'ai vu Harrison Ford qui disait ah, partout où je vais, cette saleté de musique me suit. C'est vrai que chaque fois qu'il doit rentrer sur un plateau, sur un truc, il doit y avoir cette musique à chaque fois. Attends, j'ai vu qu'il y avait un petit message. Est-ce que c'est un truc privé ou est-ce que... oh, on m'apprend que c'est l'anniversaire de Club des Ratés. Oh, bah, mon anniversaire, mon Club des Ratés. Alors du coup, je double la mise. Je mettrai deux portes. Non, je mettrai plus. Je te mettrai un petit cadeau. Bon, vous me faites tous des cadeaux. Il est temps que je vous remercie à mon tour. C'est la famille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la famille qui est là, notamment Snekouette qui est impatient de voir Indiana Jones lui aussi. Et alors c'est vrai qu'on a, on a peur. Ça, écoute, ça peut pas être pire que le 4, c'est ce que je me dis. Et je sais pas, ces histoires de rajeunissement, ça a bien fonctionné. L'idée de faire des flashbacks, c'est pas mal, même si du coup, on peut se dire qu'on pourrait avoir des films de Indiana Jones sans Harrison Ford, mais avec Harrison Ford en image de synthèse. C'est un peu flippant, mais... Mais ah, c'est tentant en même temps. Après tout, s'il y a un bon scénario, si tout est bien, si c'est aussi bien que les anciens et qu'ils ont ressuscité Harrison Ford en image synthèse, peut-être le faire après tout. Je sais pas. Alors, c'est une question éthique qu'il faut se poser dès maintenant. Après, ce sera trop tard. Salut Matt Gogo, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, les petits nouveaux, c'est le moment de faire un petit coucou. Ça colle au marron, par exemple. Mais pas vu. En plus, le gérant force, il faillote. Mais ça colle au marron, on va le nominer quand même, mon dindin, s'il te plaît, pour son meilleur pseudo. Alors, je pars un peu dans tous les sens. Salut Nathalie, c'est... Ah oui, je vois plein de gens. Keno Bistro, mais... Il y a trop de beaux pseudos. En plus, dès le début, c'est quand même assez violent. Mon dindin va être débordé. Merci Pacray, c'est gentil. 21 mois d'abonnement. Vous êtes fou, mais vous êtes fou. Oh oui. Je le savais, c'est pas un scoop. Donc, les choses dans l'ordre. Ici, pour les petits nouveaux, sachez le nom récompensant. Chaque jeudi soir, le meilleur pseudo et la meilleure vanne de la soirée. Donc là, par exemple, je viens de nominer un pseudo qui peut gagner potentiellement le gobelet Ultra Collector de Game One. Je ne sais pas si on le verra bien. Si la caméra va faire le point dessus, après elle va m'oublier moi, sans doute. Mais regardez, c'est la tête de Julien. Je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est le gobelet de la Team Game One. Merci pour le sub normal, c'est gentil. Donc voilà, et merci Couscous Merguez. Oh là là, mais ça n'arrête pas. Donc ça, c'est si vous avez un beau pseudo, bien rigolo. Ah, mais arrêtez de m'interrompre. Merci Normal, merci. Si vous avez un pseudo rigolo, je vous nomine. À la fin de la soirée, on voit lequel était le plus rigolo. Et on lui envoie ce petit gobelet. Avec le petit truc collector pour faire bonne mesure, le petit porte-clés qui va bien. Voilà, ça c'est si vous avez le meilleur pseudo. Dès que vous êtes nominé, que ce soit pour le meilleur pseudo, la meilleure vanne, ouvrez vos MP pour l'ami New Dindin, qui est un peu notre huissier, qui veille sur nous, et qui vous contactera pour prendre vos coordonnées, votre mail au moins, pour qu'on puisse vous contacter si jamais vous gagnez, mais que vous ne savez pas, parce que vous êtes allé vous coucher avant la fin du stream. Voilà, ça permet juste de vous... C'est pas du phishing, hein. Ça permet juste de vous courir après pour vous donner des cadeaux, si jamais vous êtes parti vous coucher avant. Voilà, ça c'est la première chose, c'est pour le meilleur pseudo. La meilleure vanne, allez-y, faites des vannes, il n'y a pas de souci. Et quand je verrai une vanne qui me fait rire, je vois pas toujours tout, mais voilà. Je sais que Dindin, Vlacero sont là pour rajouter des vannes que j'avais pas vues, mais ils savent que ça m'aurait fait rire, donc ils les rajoutent. Même chose, laissez vos messages ouverts, votre messagerie ouverte pour l'ami New Dindin qui vous contacte pour avoir vos coordonnées. Voilà. Et puis, troisième chose, on va faire, comme je risque de pas mal mourir quand même dans Zelda, ce soir, on va faire le concours du pronostic du nombre de fois où je vais mourir de manière stupide. C'est-à-dire,
toujours de manière stupide, moi c'est ma marque de fabrique, vous le savez. Et là pour cela, bah, vous envoyez juste un message privé à New Dindin avec le nombre de morts, le nombre de fois où vous pensez que je vais mourir ce soir, 2, 10, 22, 32, 42, 64, 3600, c'est comme vous voulez. Voilà, on fera le décompte en cours de route et on verra qui était le plus proche. J'offrirai cette fois encore ce petit porte-clés joli aux gagnants. Il y en a peut-être un, peut-être deux, peut-être trois, on verra. Comme j'ai plusieurs porte-clés, ça me permet de récompenser tout le monde. Et j'ai oublié de vous le dire, celui qui gagnera la meilleure vanne reçoit le super, alors je ne l'ai pas sous la main, je l'ai envoyé à Dindin en fait, un super bouquin de Inis Édition. Vous pouvez aller voir sur, sur mon, comment, sur leur Twitter évidemment, mais j'ai mis le lien sur mon compte Twitter à moi avec la photo. Super bouquin sur toute la saga Zelda depuis le début avec des superbes illustrations et c'est hyper bien fait, hyper bien écrit, bien renseigné, donc vraiment allez-y si vous aimez Zelda, ça peut vraiment être un truc génial à lire, à offrir à vos amis. Et moi donc je l'offre à celui qui fera la meilleure vanne ce soir. Voilà, donc si jamais vous êtes nouveau et que je n'ai jamais vu de votre pseudo, c'est le moment de me faire un petit coucou avant qu'on commence. Parce que en général dans le feu de l'action, j'ai toujours du mal à me concentrer. Donc ça peut être bien de faire votre petit coucou maintenant les amis. Voilà, je vois. Adorable Gollum qui fait un coucou. Ah bah tiens, on fera le Seigneur des Anneaux Gollum dans pas longtemps. Donc tu feras que tu reviennes. Richard Dassault, c'est très bien. Et Richard Dassault va être nominé par exemple. Il faut que je laisse le temps à Dindin de noter tout ça. Donc Richard Dassault, mon Dindin, s'il te plaît. Donc mon Dindin va veiller sur nous ce soir. Je vous demande de l'applaudir avec de l'avance. Parce que c'est un sacré boulot, mine de rien. Même si chez nous, il n'y a pas de hater et tout ça. C'est comme un boulot de modérer tout ça. L'enthousiasme parfois débordant de certains d'entre vous. Donc voilà, Dindin fait ça très très bien depuis très longtemps. C'est un vieux sage, un vieux Jedi qui m'accompagne depuis longtemps. Donc je le remercie à chaque fois. Pour tout ce qu'il fait sur mon stream et avec moi sur les salons, puisqu'on était la semaine dernière au salon Game à Saint-Paul-Trois-Châteaux, le salon d'Alex Kawaii, ensemble, et on était aussi la semaine d'avant à Lyon. Vraiment, c'était assez fabuleux. Donc voilà, on voyage pas mal et on rencontre des tas de gens sympas, dont beaucoup d'entre vous. Toujours bien de pouvoir mettre des visages sur les têtes. On a aussi l'ami Vlacero qui va veiller sur nous ce soir, lui aussi, pareil, commence à bien se connaître. On fait des salons ensemble, il faisait partie de l'organisation du salon d'Alex Kawaii. Donc voilà, et quand il fait pas ça, il fait partie de mes mignons qui m'accompagnent sur mes tournées internationales à travers le monde de la geekerie. Et puis on a aussi notre Snakehead que j'ai aperçu tout à l'heure et que je remercie aussi parce que lui met en ligne chaque émission du jeudi soir sur ma chaîne YouTube. Ainsi que les vieux chez Marcus de No Life en très bonne qualité. Si vous aimez No Life et les chez Marcus, voilà, on en met un en ligne par semaine et c'est Sneku qui se charge de tout ça, qui fait des petites vignettes et tout ça. Lui, il fait ça bien, moi, je fais toujours à l'arrache et lui, il fait bien. Une vraie tournée de Rockstar, c'est bien, c'est Riven, c'est ça, c'est ça. Après, ça va se calmer un petit peu. Les prochains, ce sera fin août, je crois, on va aller à Strasbourg. Après, il va y avoir. Enfin, il y a encore plein de trucs. Je suis en train de refaire la liste là. On va en reparler. En tout cas, on se verra en vrai. Et juste demain soir, je vais faire un tour chez l'ami Jules Thibault, que j'adore, avec qui on faisait la matinale sur le stream, avec l'ami Genius aussi. Donc voilà, maintenant il a une autre émission, c'est sur Twitch. Ça s'appelle One Life FR. Je crois que c'est ça, One Life FR. Sa chaîne. Et l'émission s'appelle L'After. Donc voilà, je vais faire l'After. C'est demain après-midi, je crois, à 16h ou 17h, je ne sais plus. En tout cas, je le rappellerai demain, mais je crois que c'est 16h. Le gars qui ne sait pas. Je ne sais même pas ce qu'on va faire, mais bon, c'est des gens bien, donc forcément, on sera bien entre nous. 16h, ce sera à 16h, voilà. Donc, 16h, je ne sais plus si c'est jusqu'à 17 ou 19, je ne sais plus, en tout cas, on sera là entre amis. Et ça va être bien. Est-ce que je ne vais pas dans l'Oise? Si j'avais fait un truc écho dans l'Oise, comment ça s'appelait? C'est un petit truc dans une espèce de ferme. C'était très sympa. Il y avait des acteurs de Kaamelott. On s'était bien marré. C'était vraiment cool. Il faudrait aller à Ravilol. Je ne sais pas où c'est, ça colle au marron. Mais ça donne envie. Si tous les habitants de Ravilol ont des pseudos comme le tien, ça donne vraiment envie. L'After, c'est un événement ou alors c'est quand on mange des noix de menthe le perfume?
C'est pas un aft, c'est un after, c'est un petit peu différent. Et t'es très bien. Peut-être sur Bordeaux, j'aimerais bien, Cluffy, il faut que, comment, il faut que je recontacte le Bordeaux Geek Festival, j'avais toujours, toujours aimé y aller, et là j'ai un peu, j'ai pas pensé à les rappeler, mais oui, Bordeaux Geek Festival, je ne sais plus quand c'est, mais j'aimerais bien retourner. J'avais vraiment passé un bon moment là-bas. J'avais rencontré Alain Juppé. Alors c'était pas ça le bon moment, hein, mais... mais c'était étonnant. C'est toujours la première fois que je rencontrerais un homme politique, je crois. Donc voilà, c'était assez, assez curieux. Mais surtout, non, les gens, les geeks de Bordeaux sont sympas. Et c'est un vrai bonheur de les croiser à chaque fois. Mais ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Ils en ont deux, d'ailleurs. Il y a le Bordeaux Geek Festival et il y a un truc plus manga à Bordeaux. Voilà. Et Alain Juppé Gaming, ça peut être pas mal. Et je crois que j'étais allé sur le truc un peu manga. Mais je préfère aller au Bordeaux Geek Festival, c'est plus ma place. Et Capri, c'est fini, demande Nicky Opéra. Ah bah oui, c'est des vannes de vieux ici. Hein, tous ceux qui nous rejoignent en cours de route vont s'en rendre compte assez vite. C'est de l'humour de boomer. Ah, on est comme ça, ça déconne. Voilà, donc attendez-vous au pire. Animasia, oui, Animasia. C'est ça, Animasia. Merci, Fastella. Ah bah voilà, Fastella, très bon. Très bien, tu m'aides, c'est très bien. Et je vois un nouveau pseudo, ce qui fait toujours plaisir. Alors, ce soir donc, on joue enfin à Zelda. Pourquoi enfin? Parce que je voulais y jouer la semaine dernière, tout était prêt. Sauf qu'au dernier moment, je n'ai pas compris pourquoi. Pas moyen de récupérer l'image de la console pour la streamer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai juste enlevé la prise HDMI, je l'ai mis sur la PlayStation. Du coup, on a fait Jedi Survivor à la place, ce qui était très bien. On y retournera peut-être... dans pas longtemps, sans doute. Mais voilà, mais pas de Zelda. Et une fois que ça a été fini, je me suis quand même dit, mais qu'est-ce qui merde, j'ai pas compris, j'ai essayé de trouver. J'ai juste repris la prise HDMI de la PlayStation, je l'ai mis sur la Switch, et là, ça a marché. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, je n'ai touché à rien depuis la semaine dernière. Et maintenant, je suis prêt à streamer Zelda, ce qui va être vraiment un grand moment. Alors, avec 1000 ans de retard, pour le coup, tout le monde l'a déjà fait, mais... mais voilà, moi vous m'avez vu dans Level 1, vous m'avez déjà vu dans Level 1 en train d'y jouer. J'ai pas eu de bol. S'il faisait pas beau, c'était moche, il se passait pas grand chose, j'ai un peu merdouillé. À la fin, je suis descendu dans un puits pour voir, je suis allé un peu au hasard, et j'ai fini au fond du puits. Donc on va reprendre en dehors du puits parce que cette fois, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai buté les monstres qu'il y avait dedans, et voilà, c'est tout ce que vous avez raté. Je vous spoil rien, et maintenant je suis sorti et je vais aller me promener. Alors déjà, je remets le casque, j'étais sur l'inventaire, mais si on regarde bien, voilà, regardez, le puits est juste là. Et le puits du fou. Et puis, ça me fait penser à Franjo, je sais pas si vous connaissez Franjo, qui est un youtubeur, enfin pas un youtubeur, pardon, un stand-upper, que je trouve très très drôle, vous verrez assez vite ces trucs sur le... sur internet, et vraiment il est super drôle, et une de ses merveilles, en tout cas moi celle qui me fait le plus rire, il parle beaucoup avec son public en fait, et dans son public à un moment il demande est-ce qu'il y a des gens de Clermont-Ferrand, et donc oui on est là, et genre il a l'impression que tout Clermont-Ferrand est là, et il fait tout un truc comme quoi Clermont-Ferrand c'est un petit peu arriéré, et dit les mecs de Clermont-Ferrand, quand ils vont au Puits du Fou, pour eux c'est le Futuroscope. Oh, les catapultes! Incroyable! J'adore cette vanne. Donc voilà, j'aime beaucoup ce truc-là. Et figurez-vous qu'on a croisé Franjo en rentrant du salon d'Ice Skyway à la gare de Lyon. Et je suis allé lui parler un petit peu et je l'ai invité à faire un level 1. Donc on va essayer de se caler ça. J'espère qu'on pourra le faire avant la fin de la saison parce que c'est vraiment un gars que je trouve super. Qui a l'air très très sympa. En vrai, autant que quand on le voit dans ses vidéos. Donc voilà, j'espère qu'il acceptera. Je pensais qu'il était OK pour venir. J'espère qu'on trouvera un bon moment pour le faire. Salut Tofidrink25. Oh là, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu as des diamants, des rubis? En rapport avec Link, peut-être. Je ne sais pas. Pour une fois que c'est pas Melun. Oui, il faudrait que j'aille jouer à Melun, du coup. Ce serait pas mal. Oui, il fait toujours des vannes sur Melun. Je crois qu'il est de là-bas, en fait. Et d'ailleurs, Gare de Lyon, c'est la gare qui va à Melun. Donc ça se trouve, il rentrait. J'étais pressé de rentrer à Melun et j'ai un peu interrompu. Donc voilà mon petit Link, voilà le puits dans lequel j'étais. Il fait beau évidemment, parce que sur Game One je n'ai que 20 minutes. Donc évidemment, quand j'ai pas de bol, il se met à faire pas beau pendant ces 20 minutes. Alors que là, regardez ça si c'est beau. Alors si c'est beau,
La semaine dernière, on était dans Jedi Survivor. C'était quand même autrement plus beau. Mais pour une Switch, c'est vraiment... Franchement, c'est beau. Et il y a cette petite patte un peu dessin animé qui permet de cacher un peu la merde au chat, j'ai envie de dire. Mais ça fonctionne quand même. Comme je dis toujours, c'est Mario Kart, c'est mon jeu préféré. Et Mario Kart, comme c'est des graphismes de dessin animé, on s'en fout d'avoir des textures ultra réalistes, de voir au loin, etc. C'est pas grave, ça passe très bien. Donc voilà, là je vais... On va partir à l'aveuglette puisque j'arrive pas à... Mais les sauvegardes s'écrasent au fur et à mesure, donc je ne sais jamais ce qui va se passer. Mais voilà, sauf là, je suis allé là, ça m'a fait rire. Il y a ce gars qui tient un poteau. Je ne vous lâcherai pas. Alors, il y a une coupe de cheveux à la King Jong Hill. Je sais pas pourquoi. Et il tient le poteau. Ah, toi, tu es... Allô, c'est le monsieur de la dernière fois. J'avais dit un van de boomer, j'avais prévenu. Comme tu peux le voir, j'essaie d'installer gros ça y est ici aussi. Enfin, je veux dire, un panneau à son effigie. Le problème, c'est que tant que je tiens ce panneau, je peux pas aller installer les autres. Que faire? Alors, qui est gros ça y est? C'est un patron fabuleux. Il est capable de fabriquer toutes sortes de choses de ses propres mains. Panneaux, sculptures, maisons, il sait tout faire et s'entraîner. Oui, je suis obligé de lire, hein, monsieur Nintendo. J'aimerais bien que tout soit en VF, etc. Il y a des voix en VF qui sont très très bien, mais il y en a très peu, en fait, par rapport à l'ensemble du truc. Après, c'est tellement immense, je peux comprendre. Mais c'est quand même relou en 2023 de devoir lire encore. Même si c'est bien de lire. J'ai moins de talent que le patron, bien sûr, mais je dois dire que je suis tout de même assez fier du résultat. Bon, là, c'est pas le moment de papoter, je dois me concentrer sur mon panneau. Vas-y, lâche pour voir. Ah, tu vas le tenir pour moi? Entendu, je lâche. Bim. Ah, quelque chose d'inacceptable vient se produire. Ok. Alors, j'ai mon truc qui permet de revenir dans le temps, donc peut-être que je pourrais relever le truc. Ah non, ça marche pas. Je peux pas revenir dans le temps, mais je pourrais peut-être, en manipulant 2-3 trucs là, je pourrais peut-être le bloquer son panneau, faire en sorte qu'il ne tombe pas. Genre, je mets un truc comme ça en dessous. Eh oui, parce que on peut faire du bricolage dans ce Zelda. Et c'est même, je trouve, l'intérêt principal. Avant, on pouvait juste explorer, maintenant on peut aussi... ça tient pas si je fais ça. Ouais. Faudrait que je prenne une plaque. Et bah si je colle un truc là-dessus, ça va le faire. Ouais, je vais faire ça. Voilà, on va amener tout ça là. Ouais, je voulais pas coller. Bon, c'est pas grave, c'est bien. C'est bien. Et je vais chercher... un autre truc. Link, il en a tellement marre de péter la tranche de Ganon avec Calibur qu'il préfère un poteau dans sa tronche. Bah c'est vrai que ça va être une bonne solution aussi. Alors je pivote. Et si je le colle là? Elle est pas sympa parce qu'il me l'a pas collé là où je voulais. Mais moi je suis malin, je vais mettre ça là. Voilà. Alors voilà, voilà rien du tout, puisque je pense que... ça va tomber, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais récupérer ça et je vais le coller là-bas. Manuel, le Marcus en vrai, dit Richard. Oui, le vrai Marcus. J'ai pas de sosie. Enfin si, je suis moi le sosie devant. Le sosie de Monsieur Trololo, par exemple. Mais je n'ai pas moi-même de... je crois pas avoir de sosie. Quoi que si, des fois les gens m'envoient des... les gens m'envoient des vidéos de... de gens qui me ressemblent étrangement, c'est vrai. Alors, c'est pourquoi il veut pas que je colle ça là? Ah! Vas-y, lâche-le ton truc maintenant. Ah! Allez Kim Jong-un, lâche ton panneau. Ah, pas mal, et il tient debout. Ben oui, il n'y avait qu'à demander. Et ben voilà, donc maintenant, tu pourrais aller... Ah, il va le bloquer lui-même. C'est numéro bis. Oui, je sais pas de ça dans cette... C'est Minecraft, ben un peu chapeau poulet en fait, parce que finalement, on peut fabriquer des tas de trucs, des engins volants, des tanks, voilà. Des gens qui ont fait des robots géants avec une tube géante qui crache des flammes, donc
Tout est possible. Alors, du coup, je t'ai aidé. Tu vas bien m'aider, toi. J'ai plus besoin de le tenir. Pour me remercier. Un rubis. Bon, écoute, c'est cher payé le... les travaux d'intérêt généraux, je trouve. Mais très bien, dis donc. Laisse-moi te donner ce petit plat dans le secret. Oh, les boulettes de Tata Suzette. Les boulettes aux herbes tempo. Très bien. Améliore la vitesse. On dirait une grosse paire de... boulettes. J'ai envie de dire. Amère, aromatisée aux herbes sauvages. Ces boulettes de riz sont un plat typique du village de Cucuirico. Ah bah, ça m'étonne pas du tout. Très bien. Oh, qu'est-ce qu'il va me donner? Une fleur bombe. Bon, bah, c'est sympa. Alors, j'ai plus de flèches, par contre. Ceux qui ont déjà joué à Zelda, est-ce qu'on peut fabriquer des flèches? Ou on peut juste les trouver ou les acheter? Parce que, du coup... bon, bah, il m'a filé plein de trucs. Moi, je pensais qu'il allait mettre du matériel en plus. Ici. Genre un bâton, un volant pour diriger. Parce que moi, j'ai pas ça, en fait. Non, on les trouve, on les achète. Ah, merci, Qatari. Ah, c'est dommage. Oui, les Qataris, ils achètent tout. Vraiment. Mais à part toi, est-ce qu'on peut pas en fabriquer soi-même? On peut tout fabriquer, c'est fou. Tu peux fabriquer un char d'assaut, mais je peux pas fabriquer une flèche. Ce qui est quand même assez étonnant. Tu peux me fabriquer une arme débile, genre j'ai fait ça avec un bâton, on dirait une grosse sucette. Un rocher, un bâton, bim, j'ai fait ça. Plutôt bien. J'aime bien moi ce côté. Marcus, comprends pas trop le trip sur le meilleur pseudo. Le but c'est qu'on crée plein de profils. Moi je te suis depuis des années. Mais il faut que je crée un profil pas drôle, sinon je vais pas gagner. Rien de méchant, c'est... Oui, oui, c'est vrai. Je comprends tout à fait. Mais quel est ton pseudo du coup? J'ai pas regardé. Ah merde. J'ai peur de remonter, parce que si je remonte, je pense que je vais casser mon truc. Mais du coup, est-ce que t'as un pseudo pas drôle? En fait, non, l'idée c'est de parler les foufous, comme d'habitude. Alors, c'est vrai que c'est chiant, je crois, de changer de pseudo, hein, en plus, sur... Alors, lui, il est sympa ou il est pas sympa? Elle est pas du tout sympa. Ah, ça marche bien, ma sucette. Donc l'idée, oui, c'est pas de pousser forcément les gens à changer de pseudo plusieurs fois, mais il se trouve que quand j'ai commencé le stream, je voyais arriver les pseudos ultra drôles, et le premier truc, ça a été ça, c'était de récompenser ceux qui avaient les pseudos ultra drôles, parce que juste, je trouvais ça drôle, en fait. Donc il y a évidemment, comme toujours, il n'y a pas d'idée marketing, de fidélisation, de je sais pas quoi, c'est juste le plaisir de découvrir des pseudos rigolos. Donc il y en a souvent qui changent de pseudo, c'est vrai. Et puis il y en a qui sont un peu dans les mêmes... merci Benny Moulou du cul, par exemple, qui a déjà gagné, hein, je crois que t'as déjà gagné, toi. Mais du coup, c'est bien, parce que ça fait... Il y a toujours des gens nouveaux qui arrivent avec des nouveaux pseudos, donc la preuve ce soir. Et voilà. Et ça m'est arrivé des fois de récompenser plusieurs fois la même personne qui avait changé de pseudo. Mais ça, je peux pas le deviner, du coup. Mais après tout, tant mieux, c'est bien. En plus, il y a des petites recettes. Les grands anciens te diront que s'il y a du pipi caca dans le pseudo, ça marche très bien. Si ça dit du mal de la Saturne, ça marche aussi. Il y a vraiment 2-3 trucs assez, assez faciles. Oh, faire rire quelques grosses ficelles. Il marche toujours. Eh ben, j'avais dit qu'il faisait beau. Bah, le temps se couvre, on dirait. On va aller... J'ai un point marqué sur la carte, en fait. Donc, je vais le suivre. Je pourrais partir un petit peu au petit bonheur la chance. J'avais dit que j'irais au nord. Juste pour faire la vanne. Au nord, c'était les Gorons. Mais voilà, si c'est juste pour faire une vanne et qu'on se retrouve dans un endroit pas possible, je vois pas trop l'intérêt. Là, je sens qu'il y a du monde. Je sais pas si c'est dangereux ou pas. Mais en tout cas, c'est là que je dois aller puisque le truc sur la map me l'indique. Donc, allons-y. J'ai déboulé sur Hyrule il y a pas très longtemps. Je dois avoir une dizaine d'heures de jeu. Et je suis arrivé genre en heure de jeu. Ça doit faire une heure que je suis sur Hyrule. Donc, j'ai vraiment rien fait, rien découvert. Je vais vraiment... Mon idée, c'était de découvrir avec vous. Est-ce que je peux prier les esprits et est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est un saucisson ou quelqu'un dans un hamac? Plutôt quelqu'un dans un hamac. C'est ça sa prière? C'est pas esprit? Même pas esprit, es-tu là? Rien du tout.
Alors, quelle section du manuel d'instruction de la tablette préalable voulez-vous lire? La carte, l'appareil photo, journal d'aventure. Bon, ne pas lire, c'est à peu près tout, on va pas se taper des tutos maintenant quand même. Ah, des flèches en bois, très bien, j'en avais plus. Bah, j'ai rien volé. Faut aller chez l'ophtalmo, mec. Ce sont des outils d'exploration des abîmes de Josha. Personne n'y touche sans ma permission. Tu veux me causer des ennuis ou quoi? Paras, ingénieur en chef de la tablette Pruda. En plus, l'ophtalmo fera une pastille pour la gorge aussi. Ah. Bah, je les prends quand même. Oh non! Ah ok, il va me refaire tout son discours. Bon, et il a dit qu'il fallait que je monte au premier étage du bâtiment. Bon, j'imagine tout le reste c'est pareil. Et si je te foutais un coup de gourdin dans ta sale gueule, est-ce que tu me laisserais prendre les flèches? On peut discuter. Au premier étage de ce bâtiment, ne traîne pas, elle a grand besoin d'être rassurée. Et toi qui es-tu? Avec toutes ces choses qui ressemblent à des ballons, ce seraient des artefacts sonos. Des pièces spéciales tout droit tombées du ciel, on sait pas grand chose. Mais c'est... artefacts. Ok. Ah, pour créer des véhicules, ça peut être utile. Ah, ok, ça c'est tombé, mais tu sais pas ce que c'est. Alors, il a dit premier étage de ce bâtiment. Et le bâtiment, il est là. On va trouver comment on monte là-dedans. Link, appartement 405. Touche mon gourdin, écrit mon nom, nous propose John Rambo. On va nominer John Rambo pour son pseudo de star de l'action et poète à la fois. Classique, mais ça fonctionne bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette chevelure blonde, ses yeux bleus. Bah merci, j'ai les cheveux un peu gris pourtant. Professeur Pura, c'est lui, le chevalier, il est revenu. Ah, sympa. Tout le monde me connaît cette fois, c'est bien. Ah, ils ont tous un problème de lunettes, hein. T'étais où? On t'a cherché partout. Enfin de... Ah, la voix, elle était où la voix? T'es pas un fantôme au moins, hein. Qu'est-ce que c'est agréable quand ça parle. Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? On m'a prêté un gant, en fait. Salut, Poyoko. C'est le petit phare de Pocoyo. Je regardais ça avec mon fils quand il était petit. Ça crépite? S'il y a des endroits où ça crépite? On a trouvé une doubleuse, bah c'est Prua. Écoute, mon petit micro est là, ça a l'air de bien marcher. Je sais pas, est-ce que ça crépite chez des gens? Ou est-ce que... Je regarde s'il y a peut-être un problème avec le micro, je ne sais pas. La binocle des Razmoquettes a bien grandi. Donc, oui, c'est vrai. Vous êtes allé explorer le château d'Hyrule. Alors, c'est pas le petit frère, mais le pseudo vient bien de là. Vous avez trouvé une momie. Tous les gens qui ont des enfants connaissent Pocoyo. Très mignon d'ailleurs. Il s'est réveillé sous vos yeux. Avec la voix de Patrick Préjean. Pas très douce, très agréable. Dame Zelda a disparu dans les entrailles de la Terre. Ah, bah on va la chercher justement, on est là pour ça. Oh, c'est à ce moment-là que le château s'est mis à léviter et que tout un tas de ruines sont tombées du ciel. Ah, je peux faire quelque chose. Toi, tu t'es retrouvé sur une île volante et c'est le bras qui était accroché à la momie qui t'a sauvé. Après ça, une drôle de créature t'a remis la tablette. Ah, apparemment, c'est le son du jeu qui crépite, me dit Vlacero. Et tu as découvert que le... Est-ce que c'est juste pendant la cinématique? Ou est-ce que c'était avant? Je me refais Skyrim que j'avais fait il y a 10 ans. Et ben voilà, moi j'ai le même problème que toi. C'est-à-dire que j'ai du mal avec Zelda parce que j'ai joué à Skyrim. Et que... Je vais pas dire en gros c'est le même jeu, mais en tout cas c'est la même liberté tout ça. Et Skyrim est très adulte alors que là... C'est tellement gnangnan, quoi. Donc j'ai du mal, parce que en plus... Ah oui, c'est ça. Je sais pourquoi. Parce que je me suis analysé, moi-même. Pourquoi j'accroche pas, en fait, finalement, à Zelda? Eh ben, parce que j'ai pas la nostalgie. Parce que j'ai pas une NES, moi, en fait. J'avais un Amiga, excusez-moi, à l'époque. C'était au mieux qu'une NES. Alors, c'est peut-être pas très objectif, ce que je raconte. Mais dans ma tête à moi, la NES, c'était ultra moche. Amiga, on avait Shadow of the Beast. C'était magnifique. Mais évidemment que Shadow of the Beast, c'est de la merde par rapport à Mario ou Zelda ou d'autres trucs. Mais pour l'époque, pour un ado de l'époque, c'était une machine super puissante. Les jeux, on les payait pas parce qu'on les piratait. Bref, j'ai quand même préféré l'Amiga. Et j'avais pas envie
d'avoir une NES. En plus, la console était moche, on aurait dit une pirade. Bref, ça avait vraiment cette première génération totalement à passer à côté. Même chose pour la Master System. Et il a fallu attendre la Super Nintendo et la Mega Drive, qui avaient un peu plus de gueule et qui étaient pas loin de l'arcade et qui avaient des trucs un peu plus adultes, pour que je m'y mette. Alors, Pruda, très jolie, chercheuse renommée, pionnière dans... Voilà, c'est pas qu'un physique. Elle a passé sa jeunesse au service de la famille royale d'Hyrule. Bon, moi, je m'en fous, en fait, du scénario. Donnez-moi une arme. Laissez-moi fabriquer des véhicules, c'est tout ce que je vous demande, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi fabriquer des véhicules. Alors, on me dit que ça crépite, mais ça s'entend plus pendant les cinématiques. Sous le château flottant d'Hyrule, tu devrais trouver le capitaine Oz. Ok. Alors, c'est ça, un château flottant. Pour moi, c'est ça. Maintenant que j'ai causé cette meuf, très intelligente, est-ce que je peux piquer des trucs? Ah, ici, ça va être de l'entraînement. Oh, est-ce que je me fais un tuto d'entraînement maintenant? Ah, ben, il a pas le temps. Bah, ça tombe bien, moi non plus. Ok. Oh. Ah. Alors toi, c'est chez le coiffeur qu'il faut que t'ailles. Puis t'as pas l'air très éveillé, hein. Il a la même tête. Est-ce que vous avez vu chez Anou? J'ai vu ça. What's happening? Chez Hanouna, les deux abrutis qui sont allés faire du grabuge devant la chocolaterie du cousin de la femme de Macron. Ils étaient chez Hanouna des génies et des têtes de débiles comme ça. Vraiment, il y a des gens qui ont le physique. Je suis désolé, hein, on n'aime pas se mettre que du physique, mais ils ont le physique de l'emploi. Et c'était des débiles congénitaux, quoi. Vraiment, c'était gravissime. Et il avait à peu près cette tête-là, mais les cheveux plus courts. Vous faites la même tête avec les cheveux rasés, ça fait exactement ça. Et je pense qu'il s'exprimait à peu près de la même façon. C'était génial. Évidemment, je me fous de sa gueule, évidemment, zéro remords, bien sûr. Le mec trouve ça normal, en fait. Trop, à la limite, c'est eux qui se sont fait agresser, quoi. Ah là là, j'ai vraiment des génies, quoi. C'était fascinant à regarder. Franchement, c'est des formes de vie... Je pense pas que ça existe, en fait. Eh ben si. Alors, je crois que c'est dans le Nord, hein, bon. N'excuse pas tout, hein, des amis du Nord qui vont très bien. Mais voilà. Oh, j'adore, ils me parlent tous comme ça. Ils me parlent tous comme ça. Chez Trogneux, voilà, c'est ça, c'est la chocolaterie. Sous prétexte que c'est de la famille du président. Ouais. Il faut aller mettre le bordel là-bas, non mais... Ça faisait très... Yon René, t'arrêtes de gueuler, oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me sortir un truc. Une échelle. Ah, c'est un bunker, quoi. Ah, il a dit qu'il y avait de l'équipement. Moi qui voulais faire les courses. Bonjour, je viens pour faire les courses. Est-ce que c'est un dark shop, là? Je sais plus comment ça s'appelle. Dark store. Appelez-moi Clémis. Non, un nom si moche. Je vais t'appeler Jean-Claude et ça ira très très bien. C'est... Voilà, très bien. La brute survie. Au revoir. Hey. Ah, ok. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des... J'ai envie d'y aller. Il y en a un... Lui, il a envie d'aller aux toilettes. Visiblement. Il a pourtant une petite sacoche marron sur les fesses avec peut-être du papier. Oh, j'ai pas envie de parler à des gens. J'ai envie de faire de l'action, moi. Là, il va me faire à manger. Il va attendre jusqu'au matin. Voilà. Comme ça, il fera jour quand on sortira, c'est bien. Le slogan, c'est trop mieux chez Trogneux. ça, c'est un peu la loose, quand même. Plus de respect pour les boulangeries, les chocolatines. Mais oui, exactement. Monsieur Link. Oh, bah, dis donc. Je suis constamment la tête baissée, je me rends pas compte de ce qui se passe dehors. Ok. Excusez-moi si je reste assis. Ah, c'est pour ça que les armes se dégradent sans arrêt. Ça, je trouve ça ultra pénible dans ce jeu. Comme dans Dead Rising, je sais pas si vous vous souvenez, sur Xbox, j'adorais ce jeu. Vous pouvez fabriquer des armes de fou, genre avec deux avirons, avec un aviron, on mettait une tronçonneuse à chaque bout.
On défonçait les zombies, c'était génial. Mais ça durait 3 minutes chaque arme, donc au bout d'un moment, c'était même plus drôle d'en fabriquer parce que... Ah, mais j'aurais le droit de prendre ça. Ouf. Alors attends, on va se débarrasser de 2-3 merdes qui traînaient. Genre ça. Je vais les mettre ailleurs. Je vais les mettre ailleurs, c'est toujours la merde après. Hop. On la sort. Ça. Ça vire. Et la branche, autant me dire que ça va virer. Et juste les chiffres là, c'est les dégâts. Que 20 c'est bien en fait. Je croyais que j'avais trouvé un bout d'os dégueulasse, mais en fait non. C'est très bien ça. Alors, l'âme boko, c'est moins bien que ce que j'ai là, mais c'est quand même mieux. Épée de voyageur, c'est très bien. Est-ce qu'il faut payer pour tout ça? Ah ouais, c'est bien tout ça. Ok. Ah, une carte. Peut-être serait pas mal d'avoir une carte un peu plus élaborée que ce que j'ai. C'est fragile, ça pète... Il pète rapidement le nonos. Ok, mais c'est costaud, on est d'accord. Vous avez plus joué que moi, hein, donc vous avez des conseils. Je suis preneur, évidemment. Parle-moi de toi. Parle-moi. C'est la barrière anti-monstre. La BAM, quoi. Il y a la BAC, c'est la BAM. N'ai pas de talent dans le maniement des armes, donc je... Ouais, c'est ça, il s'est mis à la BAC parce qu'il n'a pas de talent. Bizarre. Allons-y. Allez, c'est le Mordor. Il y avait un truc. Faudrait que je fasse une petite capture d'écran peut-être de ça parce que ça peut me servir quand même. Il y a des choses là. Je sais même plus comment on fait une capture d'écran sur Switch. Et voilà, j'ai retrouvé. Parfait. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici? Ah, prier a plus d'effet cette fois. Je sais pas si ça redonne les points de vie, non? Toi qui as surmonté des épreuves, je vais t'offrir plus de puissance. Il faut 4 lueurs, ok. Ok, je sais pas combien j'en ai. I'll be back. J'en ai ma claque. Ah, lui, il a l'air un peu vénère. Il est sur son petit lit. C'est l'ado, il fait rien. J'ai un scooter. Il veut un lit, j'imagine. Prends ce lit, il est vide. Ah, vide pas dans son lit, c'est déjà pas mal. Il y a des trous sous château. Ah oui, parce qu'il y a des sous-sols en plus. Je n'ai fait qu'effleurer la surface et en plus, il y a des sous-sols. Ok, bon, moi, ils m'ont demandé d'aller au château. Je vais quand même aller au château. Bah là, j'ai trouvé deux armes sympas. Je vais remonter. Alors, soit je remonte comme ça, soit il a dit que je pouvais remonter avec mon petit pouvoir, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, je vais essayer. Le pouvoir de remonter à travers les murs. Voilà, donc j'en profite. Il dort avec les chaussures, oui, Richard Dassault. C'est dégueulasse. Alors, je suis arrivé là, et là, il y avait des flèches. Hein. J'ai bien vu qu'il y avait des flèches, on me la fait pas à moi. Du sonium, je sais plus à quoi ça sert, mais j'en... Oh! Mais tu m'as dit, va parler à machine. Et alors, il a dit quoi? Les trucs de Joshua? Mais je vais parler à Joshua. Joshua, ok. C'est peut-être la petite qui avait avec la grande ou c'est la grande? Je sais plus. Je vais remonter. Elles étaient deux, j'ai pas parlé à la petite. Joshua, ah! Prête-moi tes affaires. Bon, voilà. Ua et Joshua, vraiment des noms à chier. Joshua, il manque plus que... Les noms, je trouve ça épouvantable les noms dans Zelda, les noms des temples, les noms des gens. Il y a rien de... Il y a des noms dans Star Wars. Ah non, il veut pas, ok.
Ils m'envoient faire des trucs, mais surtout ils ne prêteraient pas leurs affaires, quoi. Pas très sympa. Je ne sais plus quoi faire, dit Syntaxe Error. L'ancienne citadelle d'Hyrule. Dis donc, c'est un peu en ruine, hein. Donc il me demande d'aller au château flottant. Eh bien, bah, il fait beau. On va en profiter. Peut-être qu'on se ferait un petit temple en cours de route, là. Je vois qu'il y en a un sur le chemin. Ah, ce truc vient de tomber. Alors, il y avait un truc qui était pas mal. Dans l'idée, l'occasion fait le larron. C'était de se mettre là-dessus et de remonter le temps. Pour remonter avec le truc. Et yes, ça marche. J'ai essayé de le faire ça pendant le level 1 et ça n'a pas marché. Après, je sais pas où ça va m'amener cette histoire. Et si j'ai assez de... Si j'ai assez de puissance pour arriver jusqu'en haut, j'espère, parce que... Si ça se trouve... Bah voilà, ça s'arrête. Ça s'arrête sans prévenir. Ah, c'est bon, je peux relancer mon pouvoir. Ah ok, le truc est juste tombé du ciel comme ça en fait. Ah, je pensais qu'il était tombé de quelque chose. Et qu'en remontant... Alors, la chute va peut-être être un peu rude. Je crois que j'ai quand même intérêt peut-être à l'amortir sur la fin. On va voir. Hmm, quelle belle vue, quelle belle perspective. Pleine de brouillard ça alors. Voilà, là je pense que c'est bien d'amortir. Je me rends pas bien compte de la hauteur en fait. Est-ce qu'il vaut mieux que je saute? Oh, quoique. La chute avait pas l'air si terrible. Merci d'avoir choisi notre compagnie. La descente s'effectue sur votre gauche. Gardez moi et Jean-Paul à l'intérieur de la vie véhicule pour toute la durée de l'attraction. C'est le cas pour certains rochers, mais pas tous. Certains servent de plateforme pour démarrer de plus haut. Ah, ok. Mais avec le paravoile, oui, on pourrait peut-être faire des trucs. Alors, encore un sanctuaire avec un nom à la con. Le Kyono Nyuzi. Allons voir, j'ai peut-être déjà fait, je ne sais plus. Comme ils ont des noms à la con, j'arrive pas à les retenir, en fait. Le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Eh oui, c'est là, dans la haine de Mathieu Kassovitz. Il me semble. Alors, est-ce que je suis déjà venu là? Ah ouais, j'étais venu, mais j'avais pas envie de faire une leçon de combat, en fait. Eh bah, ben, je vais pas avoir le choix. Ah, j'ai l'impression. Ok. On va y aller. Tu ratais aucune des émissions de Retro Game One. Ah, très bien. Écoute, c'est... On pleurniche à chaque fois pour en tourner des nouvelles, mais pour le moment, on n'a pas de budget, donc... Mais ça viendra. Alors, esquive les attaques d'un saut latéral, profite de la brèche créée dans la défense ennemie. Je verrouille ma cible, je saute avec croix et je contre-attaque. Ok, donc allez, on verrouille. Pas du tout verrouillé ça. Voilà, là c'est verrouillé. Ok. Merde, j'essaie de verrouiller, mais... Voilà, c'est verrouillé. Non, ça... Ça verrouille que dalle. Non, ça verrouille, mais mal, c'est bizarre. Voilà, ça, c'est bien. Esquiver. Ah bah, pourtant, j'ai verrouillé. Ah, faudra peut-être soit... On reste plus près. Voilà, là, c'est... Ou alors c'est vraiment une arme de merde que j'ai. Je vais prendre autre chose. On va quand même pas gâcher ça pour ça. On va faire avec la grosse sucette là, ça marchait bien. Faut que je maintienne la touche. Ah voilà, faut que je maintienne la touche de verrouillage, je suis bête, c'est moi. C'est moi qui déconne. Ok. Voilà. Y, c'est la Y.
Esquive d'attaque d'un saut arrière et profite de la brèche créée dans la défense pour contre-attaque. Ok, donc la même chose, mais en sautant vers l'arrière. Ok. Si. Voilà. Coup de bouclier. Ok. Et A pour repousser. Il y a un milliard de touches. Je sais même plus comment on sort le bouclier. Ah voilà, c'est comme ça. Ah non, mais au bout dernier moment. Ok. Ouf, j'ai plus beaucoup de points de vie. Ouf. Ah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais je voyais l'idée en tout cas. avant que j'oublie. On n'a pas compté le nombre de morts, c'est la première fois que je meurs. C'est la première fois, voilà. Il vous reste encore quelques minutes. En général, on fait jusqu'à la demi, à 10h30. On verrouille les votes. Donc, vous envoyez un petit message à New Dindin pour lui dire votre pronostic du nombre de morts, d'accord. Peut-être une fois, deux fois, dix fois, etc. Donc, n'hésitez pas. Alors, je retourne faire ma lonçon de combat. Pas le truc le plus intéressant, mais c'est l'occasion de mourir. Donc ceux qui avaient voté pour 2, 3, 4, déjà, je vais vous faire plaisir, je pense. Il y a rarement des gens qui votent pour 0. Je suis mort déjà une première fois. Quand est-ce que je suis mort? Allons, 666 morts, c'est pas impossible. C'est du handisport de mon or, Meta TV, oui, c'est ça, un petit peu. Alors, allons-y. Je verrouille et je tourne Nicotte. Voilà, et je profite. Ok, et maintenant, saut arrière. Cible verrouillée, saut vers l'arrière. Oh merde, j'ai pas le temps. Voilà, et hop, on revient tout de suite. Ah, je me suis brisé là où. Je vais faire quelque chose. Mais il faut que je récupère le truc de mes armes. En même temps, j'en ai pas forcément besoin, mais. Je vais prendre ça. Parce que là, c'est le bouclier. Ah merde, c'est pas la bonne touche. Je sorte le bouclier au bon moment, on est d'accord. Merde. Ah là, j'avais sorti, mais. Oh non, faut que je mette un clou de bouclier. Je sais plus comment on fait. Ah, pour repousser. Ok. Non, il est sympa. Accumule de l'énergie et relâche-la pour effectuer une attaque charge. Ok. Oui, c'est pas... je savais faire ça. Je maintiens Y et je relâche. Ok. C'est vrai que j'ai pas beaucoup utilisé en fait. Ah bah très bien, du matériel. Ok. C'est pas le... C'est pas forcément les temples les plus compliqués, je dirais. Garde le rythme, Tina Katurner. Oh. On va nominer Couscous Merguez pour cette vanne. Garde le rythme, Tina Katurner. Ah putain. Mais là. Faut pas me chercher parce que j'ai vu tout à l'heure Afida Turner, une autre forme de vie assez incroyable. Pleurnichait sur la disparition de son ex-belle-mère, genre
Mais qui pleure du c'est surtout sur elle en fait. Ah oui, pauvre de moi, c'est, vous savez, c'est pas facile. Hein. Mais je vais quand même continuer à salir le nom des Turner, vous pouvez compter sur moi. Elle est venue rendre hommage à Tina Turner chez Hanouna. Je pense qu'elle avait mis une culotte pour l'occasion, pour changer. C'était vraiment... C'est vraiment ce genre de personne, mais ça devrait même pas exister en fait. Oui, tout ce que j'ai fait pour elle, machin. T'as fait quoi? T'étais baladé en string dans un loft? C'est ça ton... Ta façon de rendre hommage à Tina Turner? Putain, mais... Vraiment des gens... Incroyable, quoi. Ah, c'est la pire des pires de tous les genres de télé-réalité, c'est vraiment... C'est d'une vulgarité, mais c'est imbattable. Même Pamela Anderson, elle est très distinguée à côté. Je ne connais pas Afida Ormeta. Oh, tu as de la chance, tu as de la chance. Et qui est Afida Turner? Je crois qu'elle a épousé un des fils d'Afida Turner et donc elle utilise le nom comme une diablesse pour se faire connaître par son talent. Et comme elle a aucun talent, à part montrer son cul en fait, bah voilà, elle monte son cul. Et vraiment, il y a des émissions, elle a pas mis de culotte exprès pour faire le buzz, quoi. C'était tellement évident. C'est, voilà où elle en est, quoi. C'est... Évidemment, elle est coiffée comme Tina Turner, tout ça, bien sûr, pour qu'on croit la filiation, mais il n'y en a pas, en fait. Vraiment, c'est lamentable, quoi. C'est lamentable. Et j'ai regardé parce que j'étais sûr qu'évidemment, elle allait ramener sa presse sur tous les plateaux télé. C'est son moment, quoi. Elle va pouvoir exister un peu, là. Mais je pense qu'à part Hanouna, personne ne l'invitera. Franchement, dites-moi si vous la voyez ailleurs que chez Hanouna, il n'y a que Hanouna qui est capable de l'inviter. Personne d'autre n'a pas... Personne d'autre n'a envie d'inviter cette personne. Voilà. Faut que j'invite moi pour un level 1. Jamais invité quelqu'un pour lui dire tout le mépris que j'avais pour lui. J'invite des gens que j'aime. Je fais... Ouais, j'invite des gens de la télé-réalité. Là, ce serait pas mal. Après, vous savez comment c'est quand on se fait une idée des gens, puis quand on les voit, ils peuvent être très sympas. On avait reçu dans Team Game One, on avait reçu Moundir. Je crois que c'est un mec qui avait fait Koh-Lanta, je sais pas quoi. Et le mec était vraiment sympa et rigolo. Donc. Ça s'était très bien passé. Et ça lui donne pas du talent pour autant, mais au moins il est sympa. Mais au moins c'est déjà ça. Alors, le château est là, ok. Fais attention. Hein? Des grands trous profonds. Oui, je sais ce que c'est qu'une abîme, Camille. Un gang beast avec Nabila et Afila. Oui, ça aurait du sens. Je reconnais. Alors, moi, on m'a dit d'aller au château. Je vais au château. Après, je me suis un peu. Je suis un peu chauffé là sur ce. Ce truc, bah c'est bien, ça m'avait pris quelques petites techniques de combat, mais j'avais déjà fait en fait. Enfin, j'avais déjà fait, mais j'avais pas fait en entier, j'avais pas fini. Depuis quand être retour, me dit Cartman. Vraiment Cartman? Non. Cartam, ah pardon. Ah, ça me tourne le cul. Tu vois? Ah oui. En tout cas, il est transparent, on voit à travers. Alors, il a dit qu'il fallait prévenir quelqu'un. Ok, sinon je vais me faire tirer dessus, c'est ça? On va voir. Si ça se trouve, Afida Turner a vu tous les level 1. Et c'est une... Franchement, je crois pas. C'est pas le genre de personne qui joue aux jeux vidéo. J'ai du mal à croire ça. C'est horrible, ça se trouve, elle m'aimait bien et moi j'ai des piques pendres d'elle. Mais bon. Je pense qu'on a... Ça peut être une personne très sympa dans la vraie vie. Si elle faisait pas autant de merde pour exister, ce serait peut-être sympathique, mais les gens comme ça, tellement désespérés, ont vraiment n'importe quoi pour exister, moi ça me désole. Pas envie de les encourager, quoi, en tout cas. Ok, alors faut que je rentre là-dedans, mais visiblement, on peut pas frapper à la porte. Et je ne vois pas de sonnette, ni de chevillette. Et je ne pense pas que ce soit escaladable, un truc pareil. Ah non. Non. Et là? Hot, hot. Ah oh, ça paraît bien haut pour être escaladé, mais... Ah, peut-être sur le côté. Youp. Allez, youp.
Après tout, c'est peut-être possible. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Tout à fait, Nessie. C'est vraiment... C'est totalement ça. Mais au moins, le mec qui a inventé ça, Rémi Gaillard, était lucide et le faisait avec du second degré, quoi. Oup. Ouf. Youp. Je sais pas si je vais pouvoir passer les créneaux là, ça paraît difficile, mais on va le tenter. Il a une endurance limitée, donc... Ah, c'est peut-être jouable. C'est peut-être jouable. Ils vont me dire, ah ben alors, on sonne pas? Ah! C'est très haut. C'était la musique du jambon, je sais pas quoi, vous avez entendu? C'est plus que c'était Nintendo. Ils en sont. Oh! La chute contrôlée, pas tellement en fait. S'ils en sont à imiter la pub du jeu. Bon, certain pour la musique. Ah, voilà, un peu de respect s'il te plaît, face de craie là. Il a vraiment une tête, ferme ta bouche. T'es pas l'eau, mon gars. Je ne suis pas un sosie, je suis le vrai. Le vrai Link. Si on pouvait ouvrir la porte aussi, bah oui. Youpi, moi qui regarde Marcus jouer au jeu que j'attends depuis une éternité. Ah bah écoute. J'espère que toi tu y as joué surtout. Là on en est à quoi? Ça fait 2 semaines que c'est sorti, mais j'ai pas eu le temps de... Malheureusement pas eu le temps d'y jouer. Alors visiblement, bah c'est par là, c'est pas mal. L'air un peu. Est-ce que je pourrais rentrer là? Ce serait sympa. Demande avant. Bah oui, c'est moi. On va voir le capitaine Oz, c'est lui qui donne les ordres. Il devrait être à la tourelle des 3e quartiers, plus loin sur cette route. Ok, très bien. Et toi, tu me laisserais pas passer? Genre, si je passe là... Simply the Best, c'est une chanson qu'il adore. Tout à fait. Merci, QB, c'est gentil. J'adore tout ce que vous faites. C'est vraiment... En descendant du train Gare de Lyon, dimanche soir, il y a un gars qui a arrêté vraiment 30 secondes, c'était assez drôle, il m'a regardé, puis il avait ses écouteurs. Il me dit, oh, Marcus, merci. Merci, merci pour tout. Juste ça, merci. Et bien voilà, et il est parti. J'ai trouvé ça très touchant. C'est vraiment gentil. J'ai même pas le temps de lui dire, bah j'ai rien fait moi, on me paye pour jouer, on va pas me remercier en plus. Mais j'ai trouvé ça très émouvant en fait. Voilà, donc je sais pas s'il est là ou si quelqu'un le connaît. Si c'est un de vos potes, tu veux dire, ah j'ai vu Marcus à Gare de Lyon. Dites-lui que ça m'a beaucoup touché, j'ai pas eu le temps de lui dire moi-même. Alors, j'ai bouclé de voyageur, bon j'ai déjà... Moi j'aime péter des trucs. Mais là, visiblement, on peut juste les soulever. Ah, de la pomme, de la flèche en bois. C'est bien, j'ai pas beaucoup de flèches. Et moi, comme je suis un lâche, j'aime bien me battre à distance. C'est le master qui dit « Dénonce-toi !» Oui, merci Marcus, j'ai heureux de te rencontrer. C'est toi, Richard Dassault? C'est toi que j'ai rencontré à la Gare de Lyon? Merci pour ce moment, dit Nico Perrin. Oui, c'est vrai. C'était pas Valérie Trahi leur valeur, j'ai reconnu. Un gars assez jeune. C'est reparti pour 6 pubs pour le jambon, ouais. Tellement de bonne humeur que tu te rends pas compte de la bouffée d'oxygène que... Bah des fois si en fait, quand on fait des salons comme ce week-end ou Lyon la semaine d'avant. On voit les gens les yeux dans les yeux, donc ils nous disent quelle importance ce qu'on fait a pour eux. Et c'est touchant des fois, il y a vraiment des gens... Il y a des gens qu'on a vraiment aidés en fait, sans rendre compte, mais... Des moments de leur vie qui étaient difficiles où on leur a apporté un peu de sourire, on leur a un peu changé les idées, etc. Et c'était vital pour certains. Donc, dans notre boulot, ouais, ça fait un peu partie de ça. Alors, une seule torche. Est-ce qu'il y a quelque chose pour virer? Oh, les trucs que j'ai en double, là, ce bâton, pas terrible. C'est mieux d'avoir une torche quand même. Je vais la garder. Hop.
C'était un robot humanoïde qui m'a parlé. C'est possible. J'ai peut-être parlé à ChatGPT en fait. ChatGPT, c'est drôle. Deux fois que je demande qui je suis et qui est Marcus ou qui est Marc Lacombe. Et chaque fois, il répond n'importe quoi. Alors, pas que n'importe quoi, mais en partie n'importe quoi. Une louche. Oh, ça sert à quoi? Je vais pas me battre avec une louche quand même. Allez, hop. Moi, je veux me battre avec une louche. Moi, j'ai joué à World of Warcraft. J'ai fait un nain cuisinier et je n'ai fait que monter mes compétences en cuisine. Donc là, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est que cet arme? Épée de soldat. Ah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Tu vas te herta au cochon dans le jeu. C'est possible. Une épée de soldat, elle était combien? Elle était à 6? Est-ce que je sais avant de ramasser? Non. Épée de voyageur. Je crois que normalement, on voit si c'est mieux que... C'est mieux qu'une louche, c'est sûr. Épée rouillée. Ouais, épée de soldat, c'est mieux qu'épée rouillée. Ce qui est très logique. Donc, je balance l'épée rouillée et je vais prendre l'épée de soldat. Voilà. Quand même beaucoup de rouge, c'est un peu inquiétant. Hein. Alors visiblement, je suis au bon endroit. Ah, faudrait que je monte. Je vais utiliser mon ascenseur personnel. Sauf que ça marche pas très bien. Allons-y. Très bizarre ce système là. Salut Tankanji Girl. Ah bah c'est bon, je suis au bon endroit en fait. Désolé, mais je suis occupé. Ah, le Vla ose. Réponds-moi si tu l'oses. C'est du dialogue. Mais Maître Link, c'est bien vous, ça ne fait aucun doute. Je suis soulagé. Elle est en train de pisser du haut de la muraille, des mêmes murs, et je pense sur les gens dessous, c'est pas très sympa. Oui, mon gars. Vous n'êtes pas revenu avec la princesse Zelda? Ouais. Lui, il est beau gosse. Autant les autres persos, ils avaient des têtes un peu bizarres. Ah, Bioman a tenté de me péter. Voilà, Marcus est connu pour l'émission Pause Café sur Game One, en fait. Et j'ai vu ça aussi, voilà, j'ai eu cette réponse. Et c'est fou. C'est fou parce que... ChatGPT, ce qui est marrant, moi, je trouve, c'est de lui demander d'inventer des trucs. Je lui ai demandé d'inventer un scénario avec qui mettra en scène le Mandalorian avec des minions, et il a fait ça très bien, en inventant des trucs. Donc, je trouve qu'il est doué pour inventer. Par contre, quand on lui demande quelque chose, il invente. Là, il a inventé une émission, Pause Café, et il fait comme si c'était vrai. Et le problème de ce truc, c'est qu'on ne peut pas savoir si il dit vrai ou s'il invente. Parce qu'il répond quoi qu'il arrive, en fait, en général. Donc c'est très perturbant. Donc tous les gens qui l'utilisent pour faire leur devoir à leur place, en gros, pour faire des dissertations et des trucs de droit et tout, c'est chaud parce qu'à aucun moment on pouvait savoir quand est-ce qu'il se plante. Là, moi, je sais qu'il se plante parce que ça me concerne très personnellement, donc je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait quand même. Mais c'est très dangereux d'utiliser ça pour des boules, pour faire croire que c'est vous, quoi. Donc méfiez-vous de ChatGPT, c'est très rigolo pour déconner, mais pas forcément très pratique pour certains trucs. Mais puis moi souvent des fois je fais des jeux de mots, je cherche des mots qui finissent en ul par exemple, pour faire des rimes un peu intéressantes et riches. Mais c'est pas facile en fait, à moins de prendre un dictionnaire des rimes et tout ça. Là vous êtes sur ChatGPT, file-moi 10 mots qui finissent en ul et bam, vous les avez dans la seconde. Donc ça c'est très pratique pour ce genre de choses par exemple. Évite d'aller sur un site où il y a des sites spécialisés pour les mots croisés, avec les mots en U, les mots de trois lettres, machin. Donc là, c'est ça, pour ça, c'est hyper puissant et très rapide. Alors, elle a disparu, j'ai même pas regardé, donc... C'était Zelda. Oui, vous servez de messager? Bah oui. Votre affable coopération, c'est marrant, ça va sans doute. De parler. Alors, elle était par là, elle a disparu.
Bon. En tout cas, le curseur a l'air d'être plutôt de l'autre côté, donc... Et j'ai pas encore le parapente, donc je peux pas me jeter dans le vide, là. En fait, mon but en suivant la mission, c'était d'obtenir le parapente pour pouvoir justement, éventuellement, faire un peu de vol plané. Je serais curieux de voir ce qu'il y a là-haut. Je vais voir s'il y a moyen de monter. Oui. Allons voir. Pistule, planicule. Oui, si vous avez, vous êtes meilleur que ChatGPT, en fait. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, en fait, les amis. Merci pour les follow, là. J'ai vu passer. Ça fait très plaisir. Et on vient de se prendre un raid de Tank Angie Girl. Ah bah merci Angie qui vient avec ses amis. C'est très gentil Angie, merci beaucoup. Alors là, est-ce que ça grimpe? Oui, ça grimpe, mais est-ce que ça a un intérêt de grimper? Je suis pas si sûr. Ouh, ça glisse déjà. Mais on est quand même 377, ce qui est beaucoup. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. J'ai tendance à confondre Zelda et Assassin's Creed. Ça a envie de... Envie de monter en haut pour voir toute la map. Mais ici, ça marche pas comme ça. Mais il y a peut-être un truc. Tiens, regarde ça, il y a un truc bizarre. Là, il y a de la luciole, là, j'ai pas rêvé. Allez, youp. Ou c'est des confettis. En tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. Ah, un gros goût là. C'est quand même... Je suis désolé, hein, mais c'est quand même le design le plus moche. Ah, ça ressemble vraiment à rien. Même pas, je s'appelle Groot, quoi. La noix Korogu. Oui, donne-moi tes noix. Ah voilà, donc ça valait le coup de monter jusque là. Ok, c'est juste dire au revoir. C'est pas très... très intéressant, c'est le petit bonhomme CTLM. Et un crédit, je fais pas crédit. Que je voudrais m'acheter des flèches, en fait. Bon, non, ils sont... Alors, on va redescendre. Un Korogroot. Je vais nominer les petits amis. Les petits amis. Oh, on va nominer les petits amis pour à la fois le pseudo et le... et la vanne, s'il te plaît, mon dinde. Les petits amis, j'avais pas pensé à ça. Mais oui, je vais monter une secte. Depuis le temps qu'on me dit que je devrais faire ça. Je vais finir par le faire. Ah bien. Ouf. Bon, je suis un peu tombé, mais ça va quand même. Alors, d'après la map, où dois-je aller? Je sais même plus comment on sort la map. Le bordel, ce truc. Non, j'ai pas beaucoup de fringues, hein, vous avez vu, j'ai que dalle en fringues. J'ai pas fait grand-chose. Faudrait que je m'en achète quand même. Ils auraient peut-être pu m'en prêter en bas. Non, ça c'est le radar, la map. Non. Ça c'est pour appeler un cheval que j'ai pas. Ça c'est pour les armes. Ah merde, c'est quelle touche? Non. 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 Non plus. Oh merde. Jeff Tuch, le philosophe. La secte des gros doigts dans un temple à Montreuil. Oui, c'est évident, ça me paraît une très bonne idée. Prenez cette pâte à tartiner, car ceci est mon corps. Je vais nominer J'ai les boulettes qui grattent pour prenez cette pâte à tartiner, car ceci est mon corps. C'est sûr que si je montais une religion, ce serait ça. Moi, j'ai pas des abdos aux tablettes de chocolat, j'ai des abdos Nutella. Donc, c'est vrai que ce serait mon corps, littéralement. Ça marcherait très bien. Je vais redescendre. Ah, mais elle est là, la carte. Bon. Et il faudrait que j'aille là, visiblement. Le fort de guet. C'est un peu fort de guet. Mais pour faire ça, je vais redescendre avec ce système là. Quoique j'ai l'impression que ça sert à monter, mais on peut pas descendre en fait. Ah, et c'est ça le problème. Et comme j'ai pas de... Comme j'ai pas de paraproute... Ça va, il encaisse pas si mal que ça les chocs. Ça tombe à pic. Les chocs à pic. Là. Là, un saut en face, ce serait assez présomptueux.
Faut que je retourne à la tour de guet. Bon, alors faut que je descende là. Je vais descendre quand même un peu, voilà. Et que ça paraît. Tu peux te téléporter avec la carte sur le sanctuaire. Ah, pas bête. Attends, je vais voir si j'arrive là. Ici. Voilà. Est-ce qu'il y a un sanctuaire pas loin? Bah, au moins celui-là. Oh, game over, c'est pas un sanctuaire, c'est là où je suis mort. C'est ma tombe en fait. On va aller là, c'est déjà ça. Ce sera déjà ça de prix. Allez, c'est parti. Les amiches de mes amiches sont. Oh la vache. Non, on en rigole. C'est vrai que c'est drôle, les amiches. Mais... On va pas être dans, la... dans leur secte. Hein. J'aime pas des rigolos. Il faut mourir, monsieur Huss. Ah, parce que t'avais fait un pronostic. Alors, vous le savez, maintenant que les votes sont terminés, on va voir ce qui se passe. Et on verra à la fin de la soirée qui avait vu juste. Ah, c'est tentant, ça. C'est quoi, une fleur de feu? Oh, oh merde. Remonter. Il va y avoir un truc pour éviter de tomber comme je viens de tomber. C'est-à-dire comme une merde. Plus que 665 morts et ce sera bon pour moi, dit le monde entier. Allez. Allez. Un champi tempo, tout ça pour ça. Ok. Voilà. Alors, elle est par là-bas, le tour de guet. Allons-y. Une fleur d'anus. Ah, ça ressemble à ça. Oh, petit renard. Bim, raté. Je voulais un manteau de fourrure. Ah, j'ai raté. Bon, je vais récupérer ma flèche. J'aime bien les renards en plus. Mais bon, ça peut me tenir chaud. Pourquoi pas. Redarchenapense, sacrifice, sacré d'amurie. Merci, Catal. Chanson de jeunesse. De l'herbe. Eh bien, c'est pas interdit à Hyrule, c'est légal. Brigitte Bardot les approuve, tout à fait. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ah bah oui, il faudrait peut-être que je prévoie une arme. Alors tiens, bah c'est l'occasion d'utiliser ça contre eux. Hein. C'est peut-être un peu... Oh, c'est peut-être beaucoup. Je vais pas gâcher. Je vais prendre un truc plus cool. Ouais, d'accord. Rien qu'avec ça, déjà, j'arrive à... Un croc de Bocoblin. Très bien. Attachez-le à une flèche pour augmenter son attaque. Ou faites-le cuire avec un petit animal pour faire un remède. Un petit animal, genre quoi? L'arc, j'ai déjà tout ce qu'il faut, je pense. Et là, qu'est-ce que c'est? Oh, des crocs. Donc ça, c'est à faire cuire avec un... Ah, j'adore. Ça remue encore, ça remue encore. Ce truc là a l'air un peu pourri. Donc je vais le faire. Ah, j'ai entendu un cri. C'est un cri, c'est un chant. C'est Jim 1384 qui souscrit. Merci Jim 1384. C'est très gentil. Ça m'a surpris. On était là dans le calme et tout à coup. Ah, c'est de ma faute avec Tibersan, on a choisi des. On a choisi des. Des cris un peu bizarres pour les. Pour les subs. Là il y a de la vie peut-être, mais que c'est intéressant. Non. C'est... Allez, on va cavaler un peu plus vite. J'en profite pour remercier mon Timur San qui a essayé de me sortir de la purée la semaine dernière, genre à 10 minutes du direct. Il essayait de réparer mon PC à distance, c'était beau. Et on n'a pas réussi malgré tous ses efforts, c'était beau. Hop hop hop. Alors, est-ce que c'est vraiment... Ouais,
C'est efficace cette merde. Oh, ça a foutu le feu. Ça a foutu le feu au buisson. Ah, il avait des fruits de feu sur lui, c'est ça qui a cramé. Je l'ai tapé. Ah bah très bien, ça fera des belles missions. Marcus Sardou en concert dans le Jura tout l'été, oui. Oh, j'ai vu, je tombais par hasard sur les archives de Lina. Je vous recommande d'aller le voir, c'est assez rigolo. Le premier épisode de Champs-Élysées avec Michel Drucker, ça doit être en 81 ou un truc comme ça. Et il y a Michel Sardou, évidemment. Et c'est vraiment une autre époque, quoi. C'est du délire. Pourtant, j'y étais, hein, mais ça me paraissait pas à ce point-là, quoi. C'est vraiment grave, quoi. Ils sont incroyables, c'est fou. À un moment, ils reçoivent Ornella Muti, qui était une actrice assez sexy. Et honnêtement, je pense qu'elle avait que ça comme talent, effectivement. Mais ils sont là. Alors, Ornella Muti, aujourd'hui, vous êtes magnifique, hein, vous êtes vraiment très belle. Mais vous n'êtes pas que belle, vous êtes aussi une actrice, hein, vraiment. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est belle quand même. Et puis, à tous les gens qui viennent, genre même Alain Souchon, qui est plutôt cool d'habitude. Ah non, mais vraiment jolie. Hein. Sardou, il la regarde avec un air, genre je vais la croquer tout de suite. Ils sont horribles, en fait, il n'y a que des mecs autour de la table, et ils la regardent comme un morceau de viande, c'est affligeant. Et elle parle italien, elle parle pas français, donc elle essaie de l'interviewer, mais elle peut pas répondre. C'est vraiment « sois belle et tais-toi », littéralement, quoi. Elle n'a pas le choix, en fait. Et c'est lamentable, quoi. Et vraiment, et ils commencent en disant « oui, vous êtes belle, mais il n'y a pas que ». Et le « pas que », on n'entend plus parler, après. Et tous les gens qui viennent ne font que des vannes sur son physique. En plus, elle n'a pas de micro, alors ils veulent lui mettre un micro, donc... Michel Sardou, ah bah attends, je vais lui mettre son micro dans le décolleté, tu vas voir. Et vraiment, c'est ultra relou, quoi. Et tout ça dans un gros nuage de fumée, oui, c'est vrai que souvent, ça clopait en plus, alors pas dans cette émission-là, mais oui, c'était vraiment l'époque, quoi. Les pauvres Ornella Muti, c'est pas une grande actrice, mais enfin, elle méritait quand même qu'on s'intéresse un peu plus à elle. Et que justement, qu'il fasse un peu l'effort d'aller au-delà de son physique, au moins pendant l'interview, quoi. Mais non, ils n'ont même pas fait semblant. C'était vraiment hallucinant, quoi. Hallucinant. Et pourtant, je suis pas prude hein, pour ce genre de truc, ça va, quoi. Je tolère beaucoup de choses, puisque je viens d'une autre époque où c'était un peu comme ça, donc ça me choque pas. Mais là, ça, même moi, ça m'a choqué, quoi. C'était assez fou. Michel Stardust. Comme Gainsbourg avec Whitney Houston, oui, tout à fait, c'est fou, quoi. La pauvre, si, mais où est-ce que je suis tombé, quoi. Après, Gainsbourg, là, elle excuse qu'il était bourré. Est-ce que c'est une excuse? Pas vraiment, après, il y a plein de trucs de Gainsbourg qui passeraient pas du tout aujourd'hui, ça, c'est clair. Mais avec Whitney Houston, oui, c'était quand même particulier. Alors donc, faut que je revienne. Eh les gars, on a vu Zelda. Michel Abbe et ses sketchs, oui. C'était quelque chose aussi. C'est vrai. Alors, Prua. Oui, on a vu la princesse Lesa, faut que je te raconte. Elle s'est mise à briller, s'est volée. C'est une histoire cadabrantesque. Cadabrantesque. La peau de perle à papin, tout ça. J'ai la tablette. Gainsbourg bourré, ça m'étonne, dit Papa Station. On va nominer Papa Station, parce que j'adore ce pseudo, et je crois que je l'avais pas nominé la semaine dernière. Si tu veux bien, mon dindin, s'il te plaît. Ah bah voilà, maintenant ma tablette va enregistrer des données, c'est pas mal. Alors, elle faisait déjà un peu, mais... Ah, on va me faire le coup des tours qui permettent de... visualiser le paysage. Ah bah ça, c'est cool. Le téléporteur a encore besoin de quelques ultimes réglages. Bah voilà, va bosser. Hein, passe des heures devant le miroir à faire sa petite coiffure, là. Forme de sushi. Puis quand il faut réparer le téléporteur, il n'y a plus personne, hein. Alors. Allez hop, à la cuisine. Il y a une vanne que j'avais adorée. C'était sur Twitter, je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais ça me fait tellement rire. On va y retourner. C'était une fille qui disait
Enfin, je sais pas comment c'était, mais... Bon, un mec qui avait fait une remarque sexiste, on va dire. Et le mec A fait une remarque sexiste. Et là, une fille répond en disant « Je n'ai pas... Je vois pas pourquoi j'aurais des conseils sur ma sexualité d'un gars qui est même pas foutu de trouver mon clitoris. » Et un autre gars a répondu « Oui, bah, si la cuisine était un peu mieux rangée, on le retrouverait plus vite, votre machin, là. » C'est trop ça génial. C'était vraiment génial. Vous voyez, la phrase, c'est un gars qui est même pas foutu de trouver un clitoris, quoi. C'est même pas où se trouve le clitoris. Je crois que c'était ça la formulation. Et le mec avec « Ah, bah, si la cuisine était mieux rangée, c'était du génie, quoi. » Et vraiment, en plus, le mec l'a fait exprès. Enfin, je pense que... Heureusement, il l'a eu au second degré. De moquer justement des mecs qui ont ce genre de comportement. Et c'était génial. Un partout, tout à fait, Kira. Bah, je trouve que le mec avait quand même un petit point d'avance parce qu'elle est géniale, ça implique. Regardez, d'accord, mais regardez quoi? C'est pas, ça sert à grand chose, c'est pas, ça zoome pas plus que mon machin à moi, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Est-ce qu'il sait ce que c'est seulement, dit très très ton. Je pense que le gars qui a écrit, oui. L'autre, je sais pas. Le premier, je suis pas sûr. Alors, est-ce qu'il fallait juste regarder ça? Est-ce qu'il faut monter plus haut? Est-ce qu'il faut interagir avec quelque chose? Non. Est-ce que j'ai raté quelque chose ici? Non. Déformation professionnelle avec... Ouf, Jedi, heureusement qu'il y avait du foin. Oh, c'est pas fini. Il y a Jackie Chan qui fait... qui fait une cascade. Bah, j'y retourne. Même pas mal. Même pas mal. Ça a bien changé, Poudla. Après, je suis monté là, mais est-ce que j'en avais vraiment besoin? Forcément, en fait. Voilà, je tourne autour de cette échelle. Voilà. N'en fais pas tout un foin, dirait des... Si ça, c'est un observatoire, c'est pas... ça observe pas beaucoup plus que mon truc. Ah, merde. Il se tourne. Je sais pas s'il y a un truc à faire, hein, mais je vais voir. Oh, merde, j'arrive. Ah. Non, mais je crois que ça sert à rien de monter, en fait. Je voyais bien, donc le truc n'est pas bouché. Et la map a l'air de me dire qu'il faut aller de l'autre côté. Je voulais faire chute contrôlée, mais ça n'a pas marché. C'est notre troisième mort, les amis. Et elle est totalement stupide, bien sûr. J'avais dit que ce serait totalement stupide. Il va aller au bout du canon et crier « Je suis le roi d'Hyrule !» C'est le king of Hyrule. Ça paraît une bonne idée. Mais je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Si tu n'as pas de lunettes, regarde dans la lentille. Alors, du coup... Ose d'aller là-bas, je vais y aller. Juste, est-ce que maintenant j'ai le droit de toucher ses affaires ou pas? C'était où le... Voilà, c'était là. Je vais lui parler avant quand même, pour pas le vexer. Racle-toi la gorge, hein, te dérange pas. C'est vraiment, c'est Gollum, quoi.
Ok, en attendant, je peux piquer dans la caisse ou pas? Moi, il y a des flèches. Ah! Ah non, 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 toujours pas. En plus, c'est pas sans son consentement. Ok. Coupe de cheveux, ça fait hard rock des années 80. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Alors, on sort de Poudlard et on va essayer d'aller vers la prochaine étape. Allons-y. J'ai soif de scoop. Oui, bah, un autre jour. Ah non, il y a quelque chose là. En fait, c'est juste là. Non, c'est vraiment cette tour en fait. Ah, vous savez, je rentre dans la tour. Moi, j'ai fait tout le tour à l'extérieur. Ah, la fine téléporteur. Ok. Mais je sais déjà me téléporter d'un temple à l'autre. C'est ça, téléporteur, c'est juste une lunette. Est-ce que c'est relou le fait qu'il parle pas? Petite cuillère de miel, ça lui ferait pas de mal. Tu as raison, Esso. Et je vis comme une boule de flipper qui rue. Ah, oula, ça s'est ouvert. Atterrir un missile soviétique. Oh bah, je croyais pas si bien dire. Ping. Ça a mis un truc sur orbite. Ah. Et donc maintenant, je peux aller de tour en tour. Cosmo 4. C'est nul, il n'y a pas de pyramide, donc pas de compteur link. Ah, très bien. Donc maintenant, je peux me téléporter de tour en tour. Est-ce que tu peux tenir la tablette Pruda au-dessus du terminal qui est juste là? Oui. Ah, tu vas me faire un tour de magie? Les pompons, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Bon, n'en suis pas sûr. Ça, c'est de la fusée de détresse. Voyage rapide débloqué. Super. Ah bah, très bien. Bonne nuit, mon père Founet. Lui, il n'y a pas longtemps. Donc, tu as le droit d'être couché. Même si on s'était vu il y a longtemps. Tu fais ce que tu veux, de toute façon. Eh bah, très bien. Ça m'embouche un coin totalement. Pas autant que ta coupe de cheveux, mais quand même. La fameuse tour qui complète la carte. Une fois qu'on y est arrivé, là, c'est vraiment, ça fait mille ans qu'il y a la même façon de fonctionner. Ah! Il faut être un champion de paravoile. Ah, très bien! Ah, bah voilà, c'était mon but. Je visais le paravoile pour ce soir. Je veux bien essayer si c'est d'éjection, je sais pas. Bien. Bien. Ok. Alors, comment je fais? J'utilise ça ou je me mets là? Oh. Est-ce que j'ai bien fait d'accepter? Est-ce que c'est une très bonne idée de servir de cobaye à ces gens que je connais à peine? Ouf! La réponse était non. Wow! C'est un petit peu haut. Ok. Il faut vite me dire quelle touche c'est pour déployer le paravoile maintenant, les amis. Ah là, il scanne. Ok. Ok, transmission des données. Ah, super. Ah, bah très bien. C'est mieux comme ça.
Ah ok, ça fait le ciel, la terre, est-ce que ça fait les sous-sols? J'ai pas l'impression. Ah c'est beau quand ça tombe. Il y a beaucoup de brouillard, mais bon. Ouhou. Paravoile avec X. Ouah. Ah mais le paravoile a l'air d'être... Il utilise du... comment? Il utilise un peu de force. Ouais, ça s'use en fait le paravoile. Il ne couvre pas de touche, hein. Oh, classe! Ah, bon, c'est mon premier vol. Plutôt content. Oh, j'ai cru que ça allait pas s'ouvrir. J'ai eu peur. On n'est pas passé loin de la... On n'est pas passé loin de la catastrophe. En ça, Elon Musk, prends-en de la graine. Ah là là, très bien. Ah bah voilà notre ami. Est-ce que tu veux que... Ah bah alors. Bah je vais... Il comprend rien en fait. Il comprend rien. Écoute, on va te refaire le coup de tout à l'heure. Là. On va prendre une petite planche. On va la tourner. On va même l'appuyer là-dessus, tiens. Là, et on prend une deuxième. On va la mettre par-dessus comme ça. Voilà, puis peut-être une troisième. Ah mais elle est très grosse. On aurait pu prendre la plus grosse. C'est sympa ce nouveau concept de tournée manette. Voilà, on va le tourner un peu n'importe comment, mais c'est pas bien grave. Voilà, allez, lâche ton truc, on va voir. On va voir si ça passe. Oh, on dirait Doc Gineco. Oh. Vas-y, lâche. Ouais. C'était limite, je reconnais, c'est pas le truc le plus esthétique. J'ai des traces de colle sur le côté, mais bon, c'est pas grave. C'est Minecraft ou Zelda devant le chapeau de sa tante, oui, c'est vrai que c'est pas loin. Et il manque Hyrule dans les bois. Et Pierre Boulier, oui, c'est vrai qu'il s'appelle Boulier. Et il y a un petit côté Pierre Boulier, attends. Est-ce qu'il y a sa photo de l'autre côté aussi? Ah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et qu'au salon game d'Alex Kawai à Saint-Paul-Trois-Châteaux, on a eu un sosie de... d'Alex Kawai... de... comment, pardon, de Jim Gaming. Sosie d'Alex Kawai, pas encore, mais ça pourrait. Ça pourrait. Et du coup, voilà, c'était génial de voir le sosie, limite, de Jim Gaming, de Pierre Boulle. Bon, lui, il dit que ça ne lui ressemble pas. Il est dans le déni, quoi, mais... Alors voilà. Alors donne-moi des trucs. Il m'a donné un rubis la dernière fois. Bim, plus une recette, s'il te plaît. Je veux pas dire, mais c'est la même chose que tout à l'heure. Alors, autant le... Ah, ça c'est nouveau. Bon pour une nuit gratuite. Dans un lit normal, dans un relais château. Très bien. Ouais, en fait, c'est pas quoi m'offrir, donc il m'offre une... Une cadeau box, là. Je sais plus comment ça s'appelle. c'était très ressemblant, Kia. C'est magnifique. Ok.
Alors maintenant, est-ce que si je vais juste sur la carte, je peux me téléporter comme ça ou c'est de tour en tour? Je les vois pas ces tours. Tour du fort de guet. Parfait. Téléporter. Salut Loki Fellart. Bienvenue à la maison. Bien sûr, petit temps de chargement. Hein. Pas s'en priver. Alors, le marais s'enfonce, ça a l'air simple. Tour du fort de guet. Donc, est-ce qu'il faut que... Il faut que je trouve d'autres tours. Je peux me téléporter sur des sanctuaires, mais je pouvais déjà le faire les fois d'avant. Je pense que je peux me téléporter d'une tour à l'autre. Ok, bon, de toute façon, il fallait que je revienne par là. Et je pense qu'il faut que je retourne voir les petites meufs là. C'est un nouveau tour partout. Je vais nominer Perceval le Gaulois pour C'est un jeu au tour par tour du coup. Ah mais moi c'est ça que j'aime chez vous, c'est que les vannes elles viennent de ce qui se passe. Et ça c'est vraiment bien. Bon, ma tronche, je sais pas pourquoi j'ai le nez tout rouge, j'avais vu, j'ai pas le nez rouge dans la vraie vie. Et il y a un truc qui se reflète quelque part et qui me fait un nez tout rouge, j'avais remarqué ça la semaine dernière. Parce que c'est. Jeudi dernier, je disais à Carole Katen, on dirait un film de Jackie et Michel, les voix des personnes. J'ai jamais eu la chance de voir ces œuvres. On en parle beaucoup de Jackie et Michel. J'imagine que ça doit jouer comme dans Carglass. Les pubs Carglass, ça doit être le même niveau d'acting. C'est pas trop ce qu'on leur demande, mais... Mais voilà, mais c'est vrai que c'est un peu... Alors, quand il y a des voix, ça va. Par contre, les... Ah, mais c'est ça, les dialogues de Jackie et Michel. Ça y est, excuse-moi, je viens de comprendre. C'est vrai que vu comme ça... entendu comme ça en tout cas. Ah très bien. Ok, on va s'en occuper. Je vois. Je vois de temps en temps il y a une phrase qui sort, on sait pas pourquoi. Village Piaf. Ça donne envie. Ah, alors. Le village Piaf. Bon, et tout le monde a envie d'aller au village Piaf, j'ai bien compris. Ok. Je dois parler... Ah bah oui. Bah, va lui dire que... Comment? Va lui dire que tu veux bien me prêter tes affaires. Oui, là, on est en plein Jackie et Michel, genre. Alors, vas-y. Pitié, écoute-moi. Ah, alors. Qu'est-ce que tu disais? Je disais, je voulais explorer les profondeurs. Ah, voilà. Oui, mais bah, du coup, voilà, filez-moi mes flèches. Arrêtez de parler. Ah, bah, oui, je te suis. Je suis ça. Un appareil dentaire ou si c'est vrai dent? Oui. Ah, on va peut-être me laisser. Oh, mais qu'est-ce que ça représente? Un égyptien. Un égyptien qui essaie de trouver l'interrupteur pour allumer la lumière chez lui. Est-ce qu'on n'irait pas dans les profondeurs? Ah bah ça y est, mais j'ai rien demandé moi.
Ok. Appareil photo. Oui, allez, apprends-moi à... Apprends-moi à faire des photos. Alors, est-ce qu'il y va? Ah ouais, il est parti. Ok. Ils ont fait un fondu enchaîné pour éviter d'avoir fait l'animation du gars qui s'en va. Incroyable. Oui. Ah, elle m'a donné sa petite graine. C'est gentil, si tu veux, j'en ai une aussi pour toi. Je suis en mode Michel Sardou. Et Ornella Mouti, ça y est. Ils sont contagieux, c'est con. C'est un personnage de dessin animé, hein, on se calme. Ah. Oui, oui. Ok. Alors, bah, par exemple, ça, là. Là, si je fais ça, je peux peut-être le prendre en photo. Bah, merci, hein. J'étais en train de le regarder. C'est comme quand vous allez au musée, puis quelqu'un se fout devant la Joconde. Poussez-vous, j'étais là avant. Là, c'est pareil. Alors, est-ce que j'ai un appareil photo ? Est-ce que je peux le sortir? C'est la tablette qui sert d'appareil photo. Ah, les lueurs, il m'en a parlé tout à l'heure, j'en ai que deux. Ok. Non, là je vois pas d'appareil photo. Quelqu'un a une idée? Joshua. Elle Joshua pas utile de se pousser. Si je regarde. Tu veux pas me prendre l'appareil photo? On verra plus tard. Allez, hop. La porte sud, très bien. Allons-y, petite paire de flutio là. Ça c'est en bas tout à l'heure, là, dans le bunker. Salut Renard des Boissons qui a. Qui a... apparaît. un renard des Boissons apparaît. Oh, ça m'intéresse un cheval. Attendez. Si tu as un cheval chauvage, tu l'enregistres, tu peux le faire venir à n'importe quel relais. Ok. Est-ce que tu me vendrais pas un cheval? Que je volerai pas un cheval. Ah, il m'a reconnu. Hey, ça, vous ne savez pas qui je suis. Oh, c'est Monsieur Spock, lui. On dirait des mi en fait. C'est assez mal dessiné quand même. Ok. Bah, moi je crois que tu allais me vendre un cheval. Hop là. Je peux pas monter sur un cheval. Super, il a une couche culotte en plus. Me laisse pas le monter. Très bien. Ça viendra. Il y a un moment où je pense que je pourrais avoir ma petite monture. Bah, les Mi, c'est de Nintendo aussi. Oui, tout ça fait triton. Mais c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire, quoi. Je trouve que la musique, des fois, on dirait la musique de. De Wii Sports ou des trucs comme ça. Ou la musique qu'il y avait quand on créait. Moi j'ai créé énormément de Mi en fait. J'aime bien les éditeurs de perso, donc j'ai créé beaucoup de Mi. Et du coup, je connais bien la musique. Je la reconnais assez vite. C'est, je crois que c'est ce que j'ai fait de plus d'ailleurs sur la. C'est quoi, des abeilles? Est-ce que je peux prendre. Oh, j'ai l'impression d'être dans Animal Crossing. Ce délicieux miel est riche en nutriments. Si vous l'utilisez dans vos préparations, les dernières vous rendront l'endurance. Bah pour le moment, j'aime bien le fait de pouvoir bouger en 3D sur les abeilles qui vont me poursuivre. Voilà. Alors, allons voir ses profondeurs.
Des frelons asiatiques. Oui, ça donne pas envie. Niveau musique, tu as eu un peu... Oui, merci mon ancien. JR m'a offert... Il est génial. Un CD, non, un vinyle. 45 tours de disco Star Wars. Je savais même pas que ça existait. J'avais le 33 tours, mais j'avais jamais... Je savais pas qu'il y avait un 45 tours aussi. Et la couverture est absolument magnifique. La pochette est magnifique. Et c'est juste derrière, mais c'est un peu compliqué de vous le montrer, mais j'ai vraiment kiffé. Donc merci encore, super cadeau. Alors, c'est par ici. Là, on voit bien qu'il y a la lave. Et un endroit où on n'a pas hyper envie d'aller, mais... Mais il va bien falloir y aller. Est-ce que je ferai pas ce petit temple avant? Avant de me jeter dans les profondeurs. On va aller voir. Peut-être encore des choses à apprendre avant de me lancer dans des... Et puis peut-être que je pourrais... Parce que je sais pas, je vois pas de marche, etc. Peut-être que je me jette dans le vide avec mon... Avec mon parapente. On verra ça tout à l'heure. C'est joli ces temples, c'est pratique, cette lumière qui montre le sanctuaire Zio Signo. Est-ce que ça veut dire des choses en japonais? Que je trouve que les noms absolument imbitables, mais si ça veut dire quelque chose en japonais, du coup, je leur pardonner, bien sûr. Il y a des gens qui ont fait japonais, première langue parmi vous. Ce serait des temples en allemand. Je saurais. Le temple Kugelschreiber, par exemple. Hein, ça fait peur. Ben, ça veut dire le temple du stylo à billes. C'est ça qui est merveilleux avec l'allemand. Rotation savante. Ah, je vais apprendre à roter. Ça, c'est bien. J'avais vraiment envie de le faire. Ah, non, là, ça va être un temple avec des énigmes. Des énigmes, mga. Est-ce que je peux monter au plafond, on va voir ça tout de suite. Visible non, non, et ça n'a pas trop d'intérêt de toute façon. Non, bon, a priori, c'est pas ça. Alors, des rotations, qu'est-ce que je peux faire roter? Ah, je peux aller là déjà. Alors que je fasse tourner ces trucs. Ça, ça bouge. Ça bouge, c'est sûr. On trouve Shirley au temple. Oh, en moto 925. Carrément des vannes des années 20. Mais où on va? Mais où on va? Alors, j'ai vu... Ça sent le test d'intelligence avec des petits cubes. C'est-à-dire que ça, j'ai bien compris que ça allait passer là-dedans et qu'il fallait juste l'orienter comme il fallait. Voilà. Les jeux des pour les enfants. Voilà, très bien. Et ça va être utile. Shirley Temple, alors là. Avec les très vieux comme moi qui savent qui c'est. Je vous rassure, c'est pas là à cette époque-là, mais. C'est l'époque de Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, etc. Donc... Ça ne vous rajeunit pas du tout. Voilà, parfait. Hot dog. J'ai raté mon saut, mais c'est pas grave, c'était l'idée en tout cas. La prof d'allemand me disait toujours « Du bist ein Esel », tu es un âne, oui. C'était il y a 30 ans déjà. Hop, est-ce que je vais avoir besoin de ce truc? Ah, là il y a encore des choses à bouger. J'aime bien les temples dans Zelda, je trouve ça cool, l'idée de... L'idée d'avoir des énigmes, finalement. Alors, par contre... Je vais repasser là. Est-ce que si je pivote... Alors, comme ça... Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, sauf que ça pivote encore. J'ai du mal avec les axes, mais c'est l'idée en tout cas.
que je saisisse différemment. Peut-être par l'autre côté. Salut Tony B. Il y a des temples qui font péter un câble. Tout à fait. Pour le moment, ça va, mais... Voilà. Et là, il faut que ça rotate. Pas comme ça. Il faut que ça rotate sur le côté. J'ai pas le bon axe pour le... Ah, je sais. Où j'attrape par là. Voilà. Là, j'aurai le bon axe. L'axe pour homme. Voilà. Oh merde, le truc. Ah, il s'est cassé la gueule. Oh, ça doit passer quand même. Tu parles, ça va passer, oui. Voilà. Oh, c'est ça pourtant là. Vache. Allez là, ça sort là. Sort ça. Voilà. Voilà. Ok. Oh merde, faut l'envoyer en face maintenant. Ou alors c'est là-haut que ça se passe. Là-haut, ça sent, il y a un truc à faire là. Un truc à faire genre avec ça. Non ? Pas pour monter là. Marcus, il n'y a pas longtemps, j'ai écouté ton podcast avec Chris, c'était super. Oui, tout à fait, Zenkai. Tout à fait. Ouais, ouais, c'était vraiment chouette. On a passé un très bon moment. Ça t'est plu. J'ai pas l'adresse en tête et je suis pas sûr que Dindin l'ait, mais... très chouette moment avec Chris. Et demain, je retrouve Jules. Jules Thibault de le stream. Avec qui on faisait la matinale. Avec Genius. La troupe, c'était génial. Et on se retrouve pour une émission. Qui s'appelle L'After. Alors maintenant, c'est sur sa chaîne. À lui. Qui est sur Twitch. Et qui est... comment ? C'est OneLine.fr. OneLine.fr, je prends un truc comme ça. On va trouver. J'ai pas appris par cœur, mais... Alors, il faudrait que je pivote. Non, pas comme ça. Voilà. Voilà, oh, je suis un génie du pivotage. Si vous avez besoin de déménager un canapé, appelez-moi. Alors... Et là, on fait quoi? Que là, moi, a priori, je peux monter. Ah non, c'est vrai que sur les murs des temples sont trop lisses, on peut pas grimper. Mais ça, ça peut me servir d'escalier éventuellement. S'il y a que ça. Voilà, je pivote. Ouais, si je lâche, ça va bien se mettre. Voilà. Allez, grimpe. Oh bah, fais un effort quand même. Ouais. Oh, tu peux pas monter ça. Yep. De cirque. Non, je vais. Il faut que je mette mieux que ça. Il faut que je le pivote dans ce sens. Ah, c'était presque ça, je pense. Il faut que ça appuie sur le côté là. Pas exactement ça que je voulais, mais ça peut peut-être le faire quand même.
Voilà. En fait, ça dépend par quel bout on l'attrape. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Allez, hop. Oh merde. Faut que je tombe dans un truc dont je puisse pas sortir, mais. Yup. Yupikaye, pauvre con. Voilà. Allez, dernier saut, je vais le rater, bien sûr. Ah bah tiens, j'aurais parié. J'aurais parié. Allons-y. Bon Dieu, mange ces Amériques. Ah, c'est vrai qu'il est pas très coopératif. Allez. Voilà. Je l'ai pas ultra bien placé, mais c'est l'idée quand même. Ah merde, j'ai réussi une fois. Toi, je raterai cette fois-là. Petit pied dans le vide là. Voilà. Est-ce que je pourrais le déplacer d'ici? Bon, quand je suis dessus, je peux plus bouger. Ok, mais normalement là. Voilà. Ouf. Ça dépend où tu veux ton canapé, au sol ou. Ah merci mon Vlacero, t'es trop fort. T'es trop fort. Signal loser, en plus j'étais obligé de faire cette émission. Merci mon Blacero, il a trouvé l'adresse, regardez. Et stop, stopstack.com, signal loser. On a passé une bonne heure, je crois, à parler de geekerie, et c'était très agréable et très sympa. Comment ce podcast, en effet. 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma soeur. Merci, et broche très cool. Réplique de Bruce Willis dans Piège de Cristal en VF. Je suis pas sûr que ce soit la même chose en VO. Souvent, ils ont rajouté et du coup, ça marche très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va donner? Ah, une petite lueur. Ça fait 3. Je pourrais retourner dans le bunker où il y avait le truc à prier dès que j'aurai 4 lueurs. Tout ça pour ça. Et pas mieux. Non, pas mieux. Mais c'est déjà ça. On va entendre la musique de la GameCube. Oui, je trouve qu'il y a un petit côté GameCube, c'est vrai. Bon, voilà. Bon, c'était en bonus. On va plonger dans les profondeurs. Et donc, c'était X pour ouvrir le parapente. Hein. Ça a l'air bien profond. Allez, je saute. Et j'ouvre le parapente. Ouf ! Ah ouais, c'est carrément... Ça rigole pas, quoi. On n'a pas trop envie de toucher les parois là. Ah, je vois une lueur. Moi qui aimais bien que ce soit lumineux, bah c'est un peu raté. Qu'est-ce que c'est que cet endroit dégueulasse? J'hésite entre le Mordor et Montreuil. Quasiment les mêmes lettres. Ah. Ah. Bonjour, je suis Alune du groupe d'archéologie Sono. Ok. Lénine ou que Alune, mais bon. Ah, les graines Lumnos, c'est bien ça, parce que ça éclaire. Là, je sais. Je sais plus s'il faut foutre un coup de... j'en ai des graines Lunos. Mais je vais dire non pour qu'il m'en donne. Voilà, c'est ça. Un petit coup dans la plante et ça... Ah.
Alors, déjà. Là-dedans. Bah alors. Ah non, elle est déjà dépliée. Donc celle-là, elle. Ok, elle fonctionne déjà. Il m'a demandé, est-ce que t'as des graines? Tu crois qu'il m'en aurait filé, ce pingre? Pas du tout. À moi de me débrouiller. C'est l'air grand, là-bas. Ah, là, il y en a peut-être. Salut, Luciole. Bon, allez, j'en avais. Je sais que j'en ai. Donc, je vais aller dans mon inventaire. Okay. Alors, fruits de feu, je ne sais plus à quoi ça ressemble. Orbe d'énergie. Graines Lumos, 95. Ça ira? Je vais prendre ça. Voilà. Là, on sera dans Avatar. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Est-ce qu'il faut que je me téléporte là-haut? Il y a un truc tressé, on dirait Sackboy dans... Je suis sous les... dans l'entrejambe de Sackboy de la PlayStation. J'ai demandé à la lune. Ne remercie pas pour du casson marron qui me met du Indochine dans la tête à cette heure-là. Voilà, dernière des choses à faire, j'ai envie de faire des cauchemars cette nuit. Ah, téléportation, monsieur Spock. Ah, je vais avoir la carte du sous-sol maintenant. Oh. Oh, d'accord. Eh ben... S'il y a les cieux, le sol, plus ça... Ça commence à faire beaucoup. Il fait noir comme dans un four ici. Même avec mes lunettes, je n'y vois presque rien. On va lui prendre quelques graines de Lumos. Qu'est-ce que c'est que ces racines qui brillent? Elles m'intriguent, elles n'ont pas l'air dangereuses. Ok. Bon, il a laissé ses valises, je crois que je vais lui ramener, pas du tout. Alors ça, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il vaut mieux pas marcher dessus, en fait. Pas assez vite pour prendre des lucioles. Bon, je pourrais attendre, mais vu qu'on est dans un souterrain, ça sert à rien d'attendre le jour. Ouais, ok, tout le monde me saoule avec les pierres Lumnos là. Vu tout ce que je trimballe sur moi, ça fait du bruit quand je cours. Alors, peut-être une graine Lumnos. Ah, des fleurs bombes, très bien. J'aurais pu escalader ce truc, mais c'est trop dégueulasse. Alors là, ça peut valoir le coup. Une graine Lumnos, c'est pas trop le moment, mais voilà. Pour me battre, j'irai plus vite. Qu'est-ce que c'est que ces crapauds? Ok, ils sont pas bien méchants. Prendre une arme un peu mieux quand même. Oh, c'est... Non, c'est beaucoup pour eux. Je vais le garder. Je suis pas battu à la louche. Est-ce qu'on peut se battre, hop, contre un crapaud à la louche? Ah, tu as peur, crapaud! Ok. Est-ce qu'on récupère du sonium? Des grenouilles au sonium. Oh merde, j'allais manger un truc. J'avais appuyé, je vous jure, j'avais le doigt sur plus. Merci Arino, c'est gentil.
J'avais le 2 sur plus pour sortir un truc à manger. Merde. Ça fait 3 morts. C'est pas beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient voté sur 3 morts, non? Alors, je suis mort là-bas. Et donc, je me décourage pas. Je vais retourner. Et je vais tout de suite préparer une arme. Bâton, c'est pas terrible. C'est quoi? Épée de sodium. Allez, tiens, ça a l'air bien. En plus, il est en train de s'enfuir, ce crapaud. C'est quand même dommage. Ah, ah ben non, mais lui, je vais parler au début. Je suis con. De l'autre côté. Ouais. Oh. Voilà, non, ce qu'il faut, c'est que je trouve. Oui, c'est bon, les graines lumineuses. Arrêtez de me parler des graines lumineuses, j'en peux plus. Ah. Oh, mais tais-toi, allez. Oh. Oh, oh, oh. C'est dire que ça en plus. Je vais retourner à l'endroit de ma mort pour récupérer mon bien. D'ailleurs, est-ce que ça se voit sur la carte? Ah non, c'est pas là la carte. Là, c'est la carte. Voilà. Je suis mort ici. Je vais donc mettre... tampon balise. Avec un petit crâne. Voilà, comme ça. Je sais où ça s'est mal terminé. Mais là, cette fois, j'ai une bonne arme. Et des meilleurs réflexes. Ah oui, c'est pas bon pour moi, cette fois. Une luciole. Ah, je peux la manger pour... genre, je brille dans le noir, quoi. Ok, bon, c'est la pompe à Frixi Nintendo. Il faut... oui, c'est vrai qu'on est à combien de Pokémon maintenant? Ok, alors, je repose... Non, c'était pas le bon truc. Je repose... voilà, c'est là. Une graine Lumnos. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai jeté mon... Je crois que j'ai jeté mon truc. Voilà. J'ai jeté mon arme en fait. Au lieu de jeter le truc. Eh hey, mais j'ai des torches, je suis bête. Déjà, je peux peut-être me battre avec une torche. J'avais pas eu... Je savais pas trop quoi faire avec la torche. Voilà. Faut peut-être que j'allume... Ouf, là, voilà des bestioles. Faut peut-être que je l'allume avec quelque chose. Genre auprès d'un feu, mais j'ai pas de feu sous la main. Le bâton, c'est pas terrible, j'avais dit que je me battrais avec ça. Oh, ils sont... Je les entends, mais je les vois pas. Oh merde, il est là. Je sais plus à quoi ça sert cette volée là. Mais je vais la prendre quand même. Voilà, très bien. Corne, ça servira. Oh, j'ai déjà ça. Allez. Voilà, je m'éclaire un peu. Ah, je suis mort là-bas. Je vais aller récupérer mon cadavre. Y'a rien en place au moment de ma mort. Ah, je croyais que...
Je suis pris dans Bloodborne, moi. Je pensais que j'allais récupérer mon pognon. Pourtant, non, c'est... Il me semble bien que le perso qui te tue récupère ton pognon. Qu'est-ce que c'est ? Ah, j'ai de la petite bombinette, là. Surtout que lui, il doit déjà avoir des trucs explosifs sur lui. Oh, barre-toi. Oh. Non, 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 je me suis crispé sur le truc, j'aurais pas dû. Oh, l'autre, il m'envoie des... Bim. Ah, il y en a un autre en haut. Il y en a plein, en fait, là-dedans. Je suis plus en forme. Il faut que je mange quelque chose. J'avais des bons petits plats, genre ça. La volaille grillée, c'est pas mal. Et sa boulette, là, ça faisait quoi? Améliore la vitesse. On ne met pas beaucoup de points de vie. J'ai pas l'impression que mes cœurs... Je suis empoisonné ou quoi? J'ai l'impression que mes cœurs remontent. J'ai le cœur brisé. Et pourquoi? Merde, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça tirait pas? J'avais plus de flèches ou j'avais plus de matériaux? Ah, quatrième mort, les amis. Oui, tu as touché des niasmes, mais du coup, tes autres cœurs sont verrouillés. Merci, Vlacero. C'est parce que j'ai marché dans les niasmes. Ah, mince. C'était du pied gauche. Est-ce que ça porte bonheur? C'est important d'avoir ce genre de choses. Je ne connais pas toutes les subtilités de Zelda encore. Ok, je suis mort jusque là. Donc déjà, première étape, je vais allumer la lumière. Allumer le feu. Alors, graine lumineuse géante. Peut-être pas non plus... C'est exagéré. Ça, j'en ai 92. Ça va, je peux le balancer quand même. Merde, j'ai encore balancé mon... J'ai balancé mon épée au lieu de balancer... Allez, on va y aller avec ça. C'est efficace. C'est vrai que ça se pète tout de suite, mais c'est efficace. Même plus efficace que le... Hop, hop, hop. Ah, je fais pas... Putain, je fais pas les bonnes touches. J'appuie sur B quand je veux accélérer, alors que c'est croix, en fait, c'est en haut. Dans tous les autres jeux, ce sera été B, mais là, évidemment, ce sera quoi. Cinquième mort, les amis. La Cero, t'avais parié pour 5. Alors, allons-y et faisons pas de bêtises cette fois. Donc, non, si je veux utiliser, voilà. Merde, je comprends plus comment utiliser les graines. Ah là là, j'ai balancé mon arme. Donc, je fais ça, je choisis un matériau, je relâche. Et le voilà, le matériau en question. Hop, choisir un matériau. Voilà, c'est très bien, mais je suis perdu. Je crois que je suis revenu. Oh, un champi fumigène. Ça peut être pas mal, ça. Donc, faut pas que je marche dans les niasmes, sinon ça me verrouille. Piqueur. Ah, ils sont là. Là, il y a du monde. Ah oui, là, on y voit plus clair. Thank you.
sont cramés tout seuls. Ils se sont cramés tout seuls. C'est très bien. Ça m'arrange. Ah non, je suis dans les miasmes. Ah, je suis dans le miasme. Ah, c'est pas mal. L'autre, il bombarde, mais il se rend pas compte qu'il bombarde. Surtout ses petits camarades, quoi. Alors, pas ça. C'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais ça. Truc de feu. Ah merde, il y en a un autre sur le côté. Oh, puis il y a du niasme ici. Oh, hop, matériaux, fruit de feu. Foutre le feu à son truc. Ou même à lui-même, ça peut... Oh, il y en a un qui vole là. Oh, il y en a deux. Et j'ai plus grand-chose à bouffer. Donc c'est le moment de faire mon petit plat. Les petits plats dans les grands. Voilà, mais j'en ai quand même un qui est verrouillé. Ok. Le feu a l'air de bien marcher, mais j'avais aussi des bombes là. Alors toi, faire à la main. Est-ce que je peux lui péter son truc là? Oh. Ah, je me perds dans les touches, c'est fou. Voilà, j'ai plus d'armes. C'est pété. Donc je vais prendre ça, ça marchait très bien ça. En fait, comme je me crie sur la manette. Comme je me crie sur la manette, il se penche. Ce qui est pas très bien. Là, je peux pas me soigner. Mes petits cœurs sont verrouillés. Est-ce que je peux lui bouger son truc là? Avec ça. Je peux même lui balancer ça sur la gueule. Est-ce que ça marcherait? Le dessus de sa tête et je le lâche. Non, ça lui fait rien. Ok. Alors, je vais y aller avec mon arc. J'oublie ça. Je prends mon arc. Je rajoute matériaux. J'ai même mieux que ça. J'avais des bombes là. Excusez-moi les amis, je suis... Garde tes bombes pour plus tard. J'avais envie, regarde j'en ai 11. Bam. Pas mal ça. Alors après comment je me soigne de cette histoire de petit cœur là? Je suis vraiment pas bien là. La caisse en polystyrène, il faut que je prenne la caisse en polystyrène. Est-ce que vous savez comment je fais pour me re-soigner? Est-ce que c'est temporaire cette histoire de... Ouh. Oh bah voilà. Je vais me soigner en mourant une fois de plus. Il a plus joué à Sphincter Cell qu'à Splinter Cell. L'infiltration c'est pas mon truc. Alors, est-ce qu'ils considèrent qu'ils vont respawner là? Alors, je me les refasse. 6 morts, eh oui, eh oui. Ah ouais, non, il me fait repartir de là. Ok. Est-ce que vous savez s'il y a... Salut, GST Clone. Est-ce que vous savez s'il y a... moyen de... Comment une fois que je suis contaminé, là, est-ce qu'il y a moyen de récupérer ces petits cœurs normaux, on va dire. Alors, où je dois aller? Parce que c'est pas le tout. Que là, ça se trouve, j'étais même pas obligé de débuter ces trucs-là. Ouais, je suis là. Des gens dans les profondeurs. Il faut que j'aille là. Mais je crois que j'en viens. Je vais essayer la fuite. On va avancer plus vite. Merci Renard des Bois Sombres. Ouf, je suis suivi. Oh, c'est bon, il a laissé tomber.
Oui, là, je reviens à mon point de départ, on est d'accord. Est-ce que si je traverse en courant vite, je m'abîme pas? Pas sûr, je pense qu'il vaut mieux éviter de marcher dessus de toute façon, non? Voilà. Tu peux récupérer tes cœurs en activant une racine ou alors en préparant un plat avec une fleur radieuse. Est-ce que j'ai de la fleur radieuse? Tous les trucs que j'ai. J'ai pas vu de fleur radieuse, hein, je crois pas. Retourne au tout début. Je ne crois pas l'avoir vu malheureusement. Alors là, regarde mon petit radar. Ouais, parce que vous voyez pas mon petit radar, parce que j'ai ma grosse tête dessus, mais... Voilà. Ah, donc c'est bien à lui qu'il faut parler, quoi. Oh. Ah. Oh. Ok. Il faut trouver une racine comme celle que tu as activée en arrivant. Ah, ok. Et ça, ça te guérit, du coup. C'est vraiment Avatar, quoi. On en trouve plus tard dans le jeu. Ok, j'ai pas alors. Ah. Ah. Ah, c'est des dialogues pénibles. Ok, j'ai compris, oh. J'ai compris. Enfin, j'ai compris. J'oublie à chaque fois, mais je comprends l'idée, quoi. Eh ben, allons-y. Allez. Donc, c'était bien par là, sauf que... Sauf que je me suis fait tuer. Je vais essayer d'avancer le plus possible. Alors attendez, je regarde la carte. Vers le sud. Là, je vais vers le sud, visiblement. Ok. Pardon. Hop. Je retourne. Ce soir, c'était Link in Park en live. Ah, tout à fait, pour des casseurs morts. Je ne crois pas si bien dire. Vous avez peut-être vu ma petite vidéo avec où je suis en Mario pour Rock en Bray. On vous a préparé d'autres comment? Ah, est-ce que c'est ça? Non, ça confuse. Ok. Alors vous avez préparé d'autres clips et il y a notamment Link in the Park. Et vous allez voir, c'est vraiment super. J'ai pu voir une petite preview et on va relâcher ça. Ça va être top. Alors. Et si j'essayais de lâcher une grosse fleur? Donc là, clac. Graine lumineuse géante. Genre ça va mettre le... Ça va éclairer partout? Ça éclaire un peu plus que l'autre, mais pas beaucoup plus en fait. Je vais prendre ces champis fumigènes, on verra plus tard. J'arrive à les utiliser. Alors. Ah, mais chaque fois je me gourre. C'est là, et on va prendre des normales parce qu'on en a plein. Voilà. Oh, ça m'énerve. Je me prépare à lancer, ensuite je choisis le matériau et après je relâche. Voilà. La manœuvre est pas évidente. Ouf, fleur bombe, ça c'est bien quand même. La fleur bombe, la bombe. Ça me va. Parce que vous avez vu que c'est efficace. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait un SMS. Mais là je suis concentré pour essayer de pas mourir. Je sais pas à combien de morts j'en suis et à qui ça fera plaisir que je meurs ou que je ne meurs pas, mais... Vous savez, j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Pas grand chose, mais des fois ça suffit. J'ai bien vu que tu me suivais.
Ah, je peux ramasser sa petite tête. Et je peux l'acheter. Ah, le coup de pompe. Pas mal. Il revient. Pour eux, je pense que j'ai pas besoin d'avoir grand chose. Ça suffira. Ah ouais, au moment où il recolle sa tête et il continue. Ok. Là, on voit plus grand chose. Hop, hop, hop. Voilà. C'est de plus en plus sombre, mais au moins j'avance. Là, je vois bien qu'il y a un truc devant qui est un petit peu dangereux. Mais comme je suis courageux, j'y vais quand même. Ah, là-bas, à gauche, on dirait une grosse baloche, mais surtout une grosse plante comme j'ai vu tout à l'heure. Peut-être y aller, et j'imagine ça sert de checkpoint, plus ou moins, non? J'esquive, hein, j'esquive l'adversaire. Et ça soigne, vous m'avez dit en plus. Ouais. Voilà. Deuxième racine. Très bien. Une coucou, là. J'écris tous les SMS. Alors. Ah, mon Dindax qui m'envoie déjà les meilleurs vannes, les meilleurs pseudos et le nombre de morts. On va juste peut-être continuer un peu jusqu'à la fin de cette quête-là. Et puis on ira se coucher après, quand même. Mais c'est cool, en tout cas. Et puis c'est cool de le faire avec vous, parce que comme beaucoup d'entre vous ont déjà joué et connaissent un peu les... Ça m'évite de galérer, quoi. Alors du coup, t'es guéri? Ah, pas mal. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant que j'ai bien purifié les alentours? Parce que j'ai pas de... J'erre un peu sans but. Est-ce que là, je reviens sur mes pas ou est-ce que j'avance? Ouais, là, je reviens sur mes pas. Donc, il faudrait que j'aille plutôt à gauche. J'ai trouvé une autre racine. Donc, demi-tour. Il faudrait que ça se passe. Hop. Oh, il y a des statues. Eh ben, c'est pas ça les trucs qu'il fallait que je prenne en photo. Toi, t'es sympa, toi. Ah, mais c'est l'autre! Ah, mais c'est ses cheveux, j'avais pas compris que c'était ses cheveux. Et alors, des designs un peu foireux. Je veux te montrer quelque chose. Il monte tes fesses. Ben, c'est pas, je suis pas venu là pour ça. Voilà, bah, je voudrais le prendre en photo, apprends-moi. Voilà, oh là là, mais tout est parfait. Juste au moment où j'en avais besoin. Le pot de Satan va se coucher. Oui, moi aussi, je vais pas tarder, hein, je te rassure, on va avancer. Essaye de lui piquer des flèches. À chaque fois, j'aurais fait ça toute la soirée. Dagadadin, l'appareil photo, très bien. Des animaux. Ah bah j'ai des plantes, je vais pouvoir faire la... Photographie. Oh. Ok, très bien. Alors, allons-y. Il me donnera des flèches, hein, en échange. Alors, l'appareil photo est présent. Statue au bras levé, très bien. Je peux zoomer. Je peux faire un autoportrait. Je vais me faire un selfie avec la statue. Voilà.
Ok, j'arrête le selfie. Voilà. Et je reprends ma petite photo. Ok. Oh, il est en train de vomir sur le côté. Ok. J'ai réussi à prendre une bonne photo. Tiens, regarde. Extraordinaire. On se retrouve au fort de Guay. Ok. Du coup, j'ai pas besoin de continuer à explorer. Vous avez pris une photographie de la soirée, vous l'avez montrée à Pharas, qui vous a félicité. Allez la montrer à Joshua au fort de Guay. Très bien. Du coup, on va remonter à la surface. Eh ben, pas mal. J'ai 13 clips à renommer. J'ai été en forme ce soir, Dikarov. Merci, mec. Faut vraiment que je les rediffuse à chaque fois que tu te donnes beaucoup de mal. Et j'ai jamais le temps de les mettre en avant. Faut vraiment que je vais le faire, parce que si c'est promis. Là, j'ai moins de salon. Ça va être un peu plus calme. Je vais en profiter. Oh, mais il y a une autre statue. J'ai pris celle-là, mais il y avait celle-là aussi. Bon, ça lui fera plaisir d'en avoir plusieurs, mais... Prendre ses fesses. Celle-là. Ça se trouve, il y a une collection de statues qu'il faut faire. Est-ce que d'ici, si je regarde le haut, je peux me téléporter en haut? Non, c'est trop. C'est beaucoup trop. Ok. Ah, c'était pas le moment de siffler. Je vais retourner à la surface. Il y aura sûrement une cinématique, ça me laissera le temps de regarder les meilleures vannes et les meilleurs pseudos. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais la carte. Voilà. Et je veux pas voir les profondeurs, je veux le fort. Il m'a dit de la retrouver au fort, de Guay. Et je me téléporte. C'est vraiment Star Trek. Ok, je suis mort combien de fois les amis du coup? Vous allez me dire ça? 5 fois, je crois. Voilà, là j'ai la liste du nombre de morts. Très bien. Les meilleurs pseudos, les meilleurs vannes. Les pseudos Rio de jour. J'avais nominé Ken au bistrot, Richard Dassault. C'est bon facile, mais ça marche. John Rimbaud. Ça marche aussi. Et les petits amis. C'est très bien. J'aimais bien Richard Dassault, mais j'avoue que les petits amis, c'est pas mal. J'aime bien l'idée de la secte. Les petits amis. C'est toi qui vas remporter ce très beau gobelet pour le meilleur pseudo ce soir. Je vais mettre le... Attends, on va rebasculer sur cette image. Je vais retourner voir un perso qui va me parler pendant 4 heures. Oh, il est. Mais bravo les petits amis. Salut les petits amis. Où est-ce qu'il est? Me dit la carte. Il a dit reviens me voir au fort de Guay. Bah, j'y suis. Boutique de vêtements. Ah, pourquoi je pourrais m'acheter des fringues? Bah oui. Tour de Guay. C'est pas forcément. Il est pas forcément dans la tour. Il est quelque part par là, quoi. Ah bah oui, de toute façon, c'est lui qui m'empêche depuis tout à l'heure. Donc je sais où il habite. Et où t'habites? Et crois-moi, ça va chauffer maintenant. Parce que ces flèches, tu veuilles ou non. Je vais les avoir. Alors, c'est au pied de la tour. Allons-y. Bravo, les petits amis. Très beau. Très beau pseudo. Très mérité. Les autres aussi, hein, bien sûr, mais... Mais il ne peut en rester qu'un. C'est comme les Highlanders. Mince, elle est où, sa baraque? Il était au pied... Non, pas au pied de la tour. Au pied du bâtiment. Voilà. Alors, petit con. Vous me les donnez, ces flèches? Voilà. Parfait. Ensuite, la meilleure vanne, la vanne du jour, pendant que... Ah, voilà, elle a aimé la photo des fesses, c'est parfait. C'est parfait. C'est exactement ce que montre le vraiment cassé de la pierre, très bien. Ils sont très contents. Ouais, vraiment, ils sont contents de pas grand-chose, quand même. C'est pas les rois de la... C'est pas les rois de la photo. Meilleure vanne ce soir, garde le rythme, Tina Cater. Garde le rythme. Tina Turner autour. Tina Turner. Bel hommage.
C'était pas mal. Coro Groot pour le Coro Goût qui ressemblait à Groot, c'était très bien. C'est une vanne de Les Petits Amis, en plus, qui avait été nominé pour le meilleur pseudo. Le Gourou Marcus. Prenez cette pâte à tartiner, car ceci est mon corps. J'aime bien, j'aime beaucoup l'idée. C'était une vanne de J'ai les boulettes qui grattent, qui aurait même mérité d'être aussi nominé pour son pseudo, je trouve. La Miche Ral Akbar. Ah, j'avais pas vu celle-là, mais elle est très bien. Et c'est un jeu au tour par tour, puisqu'on se déplace de tour en tour. C'était vraiment très bien aussi. J'avoue que le Gourou Marcus, qui donne de la pâte à tartiner en disant « Tenez, et pour mes mangez-en, car ceci est mon corps », c'est très bien. Et donc, c'était une vanne de « J'ai les boules qui grattent », qui, en plus, avec son pseudo, aurait pu gagner aussi, même si je n'avais pas nominé. Donc, « J'ai les boules qui grattent », c'est toi qui remportes le livre des éditions Ennis sur Zelda. Je ne l'ai pas là, mais tu peux voir sa photo sur déjà sur les éditions Ennis. Et sur Twitter, j'avais mis une petite photo. Très beau livre, très bel ouvrage sur toute la saga Zelda depuis le début. Donc voilà, je suis très content que tu puisses gagner ça. C'est vraiment un beau cadeau. Quant au nombre de morts, donc on avait dit que j'étais mort 5 fois, je crois. Vous allez me le dire, mais... Bah, on va voir. Combien, 5 ou 6 fois? Je crois qu'il y avait un moment où j'ai... 6 morts, ok. Comme la gare. Je dis rien. La gare 6 morts. Y en a 2 qui ont trouvé. Et c'est Thierry Lafraude et le concombre masqué. Des habitués! Bravo les amis! Je vous enverrai le petit porte-clés Game One Ultra Collector, puisque... tu l'avais fait cette vanne de Kira, j'aime pas plus. Je vous enverrai ce petit porte-clé. Et j'ajouterai sûrement un petit quelque chose, voilà. Et puis j'ai promis tout à l'heure un petit cadeau en plus. Donc mon dindin, il est super pour ça, il note tout ce genre de trucs. Donc normalement, j'y penserai. Voilà, j'ai terminé la quête des gens dans les profondeurs. Je pense qu'il est temps d'aller se coucher. Et peut-être qu'on fera la suite la prochaine fois. On repartira de là, je vais garder... ma sauvegarde. J'ai vu qu'il y avait Gollum, le Seigneur Zeno, qui sortait. Je pense que ça peut être intéressant de le faire. Il y a pas mal de trucs qui sortent. Il y avait même un truc sur Warhammer, un FPS avec des gros pixels qui tâchent dans l'univers de Warhammer. Ça pourrait vraiment être très bien. Donc je vais voir, mais ça pourrait être cool. Peut-être m'acheter des fringues d'ici la prochaine fois. Je regarde sur la carte vite fait où c'est. Devant moi à gauche. C'est par là. Voilà, mais quand j'appuie trop. Voilà. Qui vend des fringues? C'est vous? Ok. Mais tout à l'heure, j'ai pas voulu parler aux gens. Ça m'apprendra. Tiens, toi, tu vends des fringues, toi. Avec des oreilles comme ça, tu vends des fringues. Avec une tête comme ça. On dirait moi en même temps. Je vais pas me moquer trop de son physique parce qu'il n'y arrive pas comme un cousinage, des fois. Alors, genre, on m'a donné des rubis, on m'a donné des trucs. Le seul moyen de pouvoir me l'offrir serait de vendre tout mon minerai. Ah, mais lui, il veut... Ah non, il veut acheter. C'est toi, la vendeuse. Ah, il y a méprise. Ah, voilà. Ton village natal, on s'en fout. C'est quoi cette coupe de cheveux? Ils ont tous des coupes de cheveux de Corée du Sud. Enfin, Sud, bah voilà, c'est ça. Allez, mais raconte pas ta vie, donne-moi ta marchandise. Allez, achète-moi un truc, non? Ah bah voilà! Tunique ilienne, c'est pas mal, et capuche ilienne. Combien ça coûte, cette histoire? 130. Déjà, j'aurais plus de... J'ai pas assez de rubis? Ah, c'est vrai qu'on m'en a donné... Et la capuche irienne, combien ça coûte? J'arrive pas à voir le prix. 3 rubis? 130, non. 130 rubis. Pour ça? Et ici, 70. On est combien? J'ai 41 émeraudes, mais les rubis, est-ce que c'est là-dedans les rubis? Non, je pense que c'est plutôt là. Plutôt là. Non, alors c'est là-dedans.
Où sont mes rubis? Où est mon pognon? Non, bah j'en ai pas vraiment. Le rébus, c'est ce que tu appelles les émeraudes. Ah, voilà, j'en ai 40. Bon, bah finalement, je veux bien que tu m'achètes un truc. Attends. Oh. On va parler. Ah. Alors, qu'est-ce que tu me donnes? Deux. Les trucs ont de la valeur, un peu. Bon, c'est pas très cher, tout ça. Pas des trucs dont j'ai pas trop besoin. Les cornes, ça sert, hein, je crois. Carotte vigueur. Alors, ça vaut cher. Bah ouais, mais ça, en même temps, je comprends que ça vaut cher. Ah, mais il y a le prix, là. Je vois qu'il y a le prix. C'est un pour cette saison. Fiction d'habits spéciaux. Bah, je vais m'en acheter un habit, justement. Voilà, 61. Encore un ou deux trucs comme ça. Et je suis pas mal, là. Les champignons là, j'en ai plein, ça vaut 10. En 6. Oui. C'était combien? C'était 130 la tuniculienne, ilienne. Ok, combien ça vaut ça? Que de long, ça vaut que dalle. Une ruche, c'est pas mal, mais j'en ai qu'une. Et ouais, je continue à vendre ces champis. Allez, j'en garde un pour le plaisir. Ah, 150, il manque pas grand chose. C'était 170 ou 140? 170. Alors, je vais finir bien habillé. Je vais finir la soirée bien habillé. Je sais pas s'il y a un dress code, mais... Allez, je suis presque. J'ai revendu tous mes champis, mais c'est pas grave. Les pommes, ça peut servir. Les stots de sel, pas terrible. Une truffe. Ah, les truffes, c'est cher. Les truffes, les glands, tout le monde s'en fout. Ça, c'est quoi? Ouais, ça servirait pour les remèdes, mais... Allez, j'en vends deux. Et là, normalement... Voilà, j'ai de quoi m'acheter. Elles vendent pas des flèches, des fois, parce que j'avais envie de flèches. Je m'en vais, mais je voudrais t'acheter des trucs. Voilà, au revoir. Attendez, je vais y avoir... Des flèches. C'est 20 les flèches, c'est cher. Alors, moi, je voulais cette tunique. En même temps... Ouais, ça, c'est classe. Allez. J'achète. Voilà, je vais la porter tout de suite. Ah, bah, j'ai quand même un peu plus la classe. Moi, je suis toujours en slip en dessous. Mais j'ai un peu plus la classe. Est-ce que je peux acheter des flèches? Oui. J'achète. Et comment sont tes pommes? Comment est votre blanquette? C'est vraiment ça. Eh ben voilà, je suis bien habillé. Je suis beau comme un dieu grec. Pas de slip, mais je m'en achèterai un plus tard. Et voilà, je vais m'arrêter là. Pour ce soir, les petits amis. Donc on a remis les prix de tous les des meilleurs vannes, des meilleurs pseudos et du nombre de morts. Donc on est bon. On est bon. On t'aime bien, mais il faut dire que t'es pas une flèche. Merci. C'est gentil. Voilà, ce sera tout pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé cette petite balade. Surtout le fait de le faire avec vous, ça permettait vraiment de découvrir plein de trucs, donc c'est cool. J'espère qu'on pourra en remettre ça peut-être la semaine prochaine. Un petit raid, oui, tout à fait. On va voir chez qui on peut aller. Attendez, j'essaie de ne pas couper mon propre stream avec un geste malencontreux. Qui est là? Carole est en train de jouer à Zelda. On l'a déjà raidé la semaine dernière. Peut-être qu'on va aller voir quelqu'un d'autre. Antoine Daniel fait du Minecraft, ça changera pas trop de ce qu'on a fait là. Il est avec Bagara John, visiblement, puisque elle aussi fait du Minecraft. Rofellos discute. Tiens, l'ami Rofellos, ça peut être sympa. Nanix aussi discute. Les gars de Recallbox, ça discute aussi. Zerator fait du Trackmania. Wow. Tiens, je me suis mis à Trackmania, c'était pas mal. Et si on allait voir Zerator comment il se débrouille sur Trackmania?
Il n'a pas besoin d'un réel, mais c'est rigolo. C'est rigolo. J'ai fait ma tournée avec Kayane, un spécial track. Enfin, un spécial. On a fait un level one sur Trackmania et elle déteste les jeux de voiture. Et on a vraiment été nuls. Donc, j'aimerais bien voir des gens qui ont du niveau. Donc, on va faire ça. Tiens, on va aider Zerator. C'est ridicule, mais c'est pas grave. Il va même pas le voir, je pense. Mais c'est marrant à faire. Et ça me permettra de voir un peu du bon niveau dans Trackmania. Tiens, pourquoi pas. Faisons ça. Voilà. Prise de tête, quand même, Trackmania. Bah, ça dépend. On en a Chan. Ça dépend des niveaux, bien sûr. Hein, mais ce qu'on avait fait avec Caillou, c'était. Il y avait des trucs compliqués et il y avait des trucs un peu moins compliqués. Moi, je trouve ça très rigolo, Trackmania. J'aimais bien, déjà, j'y jouais il y a longtemps, mais voilà. J'aime bien le côté, c'est vraiment pur, c'est-à-dire que, voilà, c'est le pilotage et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de coquille rouge, de coquille bleue, etc. C'était bon pilote ou pas et c'est tout ce qui compte. Et j'aime bien ce principe. La pureté de ce jeu, je la trouve fascinante. Et après, quand on voit les niveaux de fous furieux qui existent et la façon dont les mecs roulent dessus au millimètre près des fois en faisant trois loupies, enfin c'est du délire ce qu'ils arrivent à faire, quoi. Donc je suis assez fasciné par ça. Donc ouais, ça peut être bien de finir la soirée sur du Trackmania, même si c'est Zerator qui n'a pas besoin qu'on le raid, mais voilà, c'est cool, on va aller voir du beau spectacle en tout cas. J'espère que mon spectacle à moi vous a plu, les petits amis. J'étais très heureux de vous retrouver, très heureux que la Switch accepte enfin de fonctionner et qu'on puisse enfin se mettre dans Zelda. J'espère qu'on pourra retourner aussi dans Jedi Survivor, qui est vraiment très sympa. Bref, on a de quoi faire. Il y a d'autres jeux qui arrivent, là, le fameux jeu sur Warhammer avec des gros pixels en FPS, ça me tente bien. Gollum a l'air très bien aussi. Bref, il y a pas mal de choses qui arrivent, qui ont l'air très très sympas. On se retrouve demain chez l'ami Jules sur Twitch. On se retrouve pas ce week-end, pour une fois j'ai pas de salon, donc bon, on se retrouvera chez nous, chacun sur ses jeux préférés. Enfin je vais pouvoir jouer, ça va être cool. Et puis bien sûr, mercredi chez Game One, pour Team Game One et Level One, et jeudi soir ici même, comme d'habitude. Voilà les amis, merci d'être venus et revenus. Bonne nuit à tous, bonne nuit Alex Kawaii, tu es pas couché. Moi je croyais que tu allais dormir 15 jours d'affilée après ton salon pour te reposer, ce serait bien mérité. Merci mon Vlacero d'avoir veillé sur nous, notamment pour le nombre de morts. Merci à l'ami Dindin qui a veillé sur nous et que j'ai embêté toute la soirée avec des pseudos et des nominations en pagaille, mais il faut dire que vous étiez doué aussi, il y a de quoi. Et merci à mon Sneko qui met tout ça en ligne une fois que c'est terminé, avec des belles vignettes dont il a le secret. Voilà les amis, c'est tout pour moi ce soir. Je lâche drop mic, je lâche le micro. Bonne nuit à mon Triton, bonne nuit à mon Florisso, bonne nuit Thierry Lafraude et bravo pour cette très belle victoire. Bonne nuit Fondu Caleçon Marron, bonne nuit Glicker et ceux que je n'avais pas vu encore. Bonne nuit Sebmeister, bonne nuit Jedi 38. Il y a des Jedi dans 38, je ne savais pas. Le concombre masqué, bonne nuit et bravo à toi aussi. Keno Bistro, pas passé loin, tu reviendras. Bonne nuit à Mixelda, bien sûr, à Pixel 69, gros bisous. Bonne nuit Sibz 10. Bonne nuit à tous les amis. Bonne nuit Sullivan, bonne nuit Makitna. J'ai encore du mal à prononcer certains pseudos. Pourtant, ça fait longtemps qu'on se connaît qu'on voit les pseudos, mais des fois, c'est chaud. Papa Station, je croyais que je t'avais nominé pour les meilleurs pseudos, mais tu reviendras. Je lâche ton boss. Très bien, bah bonne nuit. Bonne nuit Perceval, encore en forme ce soir. Bonne nuit Cochon à Plume. Le fameux sosie dont on vous parlait de Jim Gaming, c'était lui. bonne nuit à tous les amis, j'envoie la petite musique avec Tom et ensuite on va faire du Trackmania avec Zerator, ça nous changera un petit peu. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine à partir de mercredi, soyez sages, bisous, ciao. C'est cette touche là ou c'est l'autre? Non, c'est celle là Salut les petits amis, salut, salut. Du 21e siècle, écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de War, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pots de Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule, collectionneur d'Ewok, remonteur de pendule. On l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur.
mais son vrai nom c'est Marc. The poulet du gamer, c'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux pas de bitar. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie. Level 1, souviens-toi, c'était bien, c'était lui, le pionnier des programmes pour players affranchis. Mais non, mais ça marche. Qui réinventait Doom au fond d'un corridor. Oh, mais non, mais là, j'ai pas mal. Avec une tête de clown et les moyens du bord de ta vieille Super NES. Au dernier Mario Kart, il a fait tous les tests, essuyé tous les plâtres, il a tout chroniqué. Et des records, et après tant d'années, on en demande encore. Avec Marcus, Marcus, the first and last of us, lui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. Marcus, Marcus, the first and last of us, notre ami pour la vie, comme dans Toy Story. Marcus, Marcus, the first and last of us. 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 Marcus, Marcus.